Ouais, Ouais, mine c'est de vrai. Non, rien, ouais. ça fait plusieurs jours que je me lève à 5-6 heures du matin. Ça Donc, je marche, suis un cher. peu Ouais. fané quand même. De toute façon, je sais que tu devais, que Allez, t'allais pas salut. Donc, sur Bonne ce, bah, bonne soirée, prochaine. finissez Merci de bien. passer. Bonne soirée, Ciao. les gars. Bonne Salut. soirée. Salut. Sympa. Et du coup, merci Xalorian pour le nom. Je viendrai te faire un petit coucou. Ouais, ça va être cool. Quand je passerai à Québec. Je sais pas quel jour ça va être, mais c'est que je vais y aller. Je travaille quand même assez régulièrement, surtout le week-end quand même, et sinon jeudi, vendredi. Bah, ce sera la semaine, hein, je pense, parce que... Ah ouais. Ouais, je pense que ce sera la semaine. Sinon tu m'envoies un petit message puis. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Puis en même temps, j'irai voir, j'ai pas idée, hein, Jayce. Ouais. Je vais lui Mais faire un petit coucou. t'as vu qu'il parlait de qu'ils étaient en train de monter un bar e-gaming, Non. Sérieux? e-sport, pardon. Ouais, Oh et en fait, il putain, a dit sans qu'il deck? allait, enfin, je sais pas, après, c'est peut-être pas très officiel, mais il m'a dit qu'il allait, il comptait voir s'il pouvait inviter les partenaires YouTube de J'ai un jeu, quoi. Donc il me dit il y avait peut-être des chances à la Non! fin de l'année qu'on aille au Québec, quoi, pour ça. Donc ce sera Ouais, l'occasion. ben le truc c'est que c'est certain, je pourrais pas, vu que j'y vais Ouais. maintenant là. Bon, on verra. J'aurais Ça y pas est, les donc on est moyens et. retourné en live. Donc bah bonsoir à tous ceux qui Ouais, on s'en vont. verra. Et puis bon bah on se tient au jeu assez Sorte. rapidement. Hop là. Ouais, pas de soucis. En fait, on était Pas en de live, soucis. Bah donc on merci peut parler. Xalo, hein. Du coup, si on se voit, on se revoit pas d'ici là, bah, je te dis à la prochaine au À la Québec. prochaine, absolument. Ouais, au Québec, dans ma ville. Bon, allez, bah, tchou, hein. Ciao. Yeah, bonne soirée, bonne Ciao. nuit, À bonne fin de bientôt. partie. Bye. Et puis on se refait ça bientôt. Ça roule. Et merci d'être passé, hein. C'était sympa. Bon, bah, du coup, qui c'est qui reste? Vous restez un peu encore, vous, ou vous allez Ah partir bah aussi? oui, pas de Ouais? problème. Ouais. Ok. Moi je Un pars petit dans peu, pas de 2-3 soucis. minutes, le temps de faire une dernière petite question au cas où. D'accord. Ah, voilà, je vais repasser. Allez, Hop. enchaîne. Peut-être d'ici, Allez. moi, d'ici 30 minutes à peu près. Alors attendez, parce qu'il faut que je remonte du coup dans le chat. Voyons voir. Ah oui, Allez, pour une fois, je me lève tôt. quelle est votre époque de l'histoire préférée? Ah, révolution industrielle, même si ça se dit plus. Vas-y, les Girac, pourquoi? Je sais plus. Ouais, parce que non, parce que je trouve que c'est intéressant, surtout au niveau économique, enfin, Ouais. parce que Deuxième moi. partie du 19e, quoi, non, c'est ça? Ouais, Enfin, voilà, dès c'est 1830. ouais, c'est ça, à partir de 1830, on va dire. Ça commence à venir, je trouve intéressant, tu sais, les découvertes scientifiques qui sont faites rapidement. Je trouve que tu sais, c'est un petit peu. Enfin, l'accélération en double de la Renaissance, quoi. Ouais, puis après, voilà, le début de la croissance exponentielle, voilà. Ouais. On en parle quand même pas beaucoup de cette Renaissance Canada. Pas mal. Ouais, c'est vrai que ça Et s'y prête Pokies? pas. Période de l'histoire préférée? Je ne me pose pas ce genre de questions, je suis désolé. Ouais, je te rejoins, je suis Vraiment, d'accord, j'ai pas je suis de. un petit peu à part. Ah, J'ai bah. pas Mais de période non, mais de après, l'histoire préféré, préférée. ça veut rien dire, mais moi je dis une période que j'aime bien étudier, enfin, que j'ai un attrait, Ouais. voilà. Après, bon, Révolution française, c'est intéressant aussi. Si on regarde un peu plus loin l'Antiquité, c'est très intéressant. Moi, je sais que étudier l'économie avec les Grecs et les Romains, franchement, c'est vraiment passionnant, quoi. Moi, j'aime beaucoup le 17e, moi. Oui, le 17e est très bien aussi, avec le mercantilisme, les colonies, tout ça. Très intéressant. 17e, enfin c'est le siècle de la France en gros, puis on voit vraiment que c'est le moment où la France joue vraiment sa place mondiale, quoi. Quand on sait, enfin quand on connaît un peu l'histoire, tout ça, enfin ce serait long à expliquer, mais c'est vrai que le 17e siècle, c'est vraiment le moment où la France a les moyens de réussir tout ce qu'elle veut, quoi. Ouais, j'avoue que ça permet la colonisation, donc j'aime bien que ça m'ait permis d'exister, littéralement. C'est vrai que du coup le Québec, enfin, ouais, le Québec c'est plutôt, hein, y a pas, ouais, ça commence à Quand on partir de parle la beaucoup de colonisation en l'histoire, fait. ouais, c'est ça. Ça commence très vite. Quand on Québec, parle de l'histoire du Québec, c'est très jeune. C'est 400 ans, un peu plus que ouais, c'est ça, 400 ouais. ans là Avec d'histoire. bah Donc t'as c'était. Talon, tout ça, Frontenac. Ouais, il y a quand même, ouais, il y a Y a vraiment quand des même des choses dans le fun, il y figures, a des hein. belles batailles. Oui, absolument. Mais c'est sûr que quand on parle de la vieille histoire, on tombe dans l'histoire européenne de toute façon. T'sais. Donc on va vraiment Oui, étudier c'est beaucoup sûr, l'histoire ouais. européenne quand on parle du Moyen-Âge.
C'est même pas après l'histoire, enfin l'histoire de la Nouvelle France, enfin j'appelle ça comme ça, mais oh, l'histoire de la Nouvelle France, mais non. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Puis même après vis-à-vis des alliances avec les indigènes, tout ça quoi. C'est vraiment un truc intéressant. C'est partie de l'histoire où on a massacré des innocents pour pouvoir s'installer, les exterminer presque. Bah justement, c'était plus un truc d'anglais ça, mais. Parce que les Français, justement, n'étaient pas nombreux, donc ils s'alliaient plus avec les Indiens, en fait. Et puis les Anglais, ils avaient vraiment du mal à s'allier avec les Indiens. Ouais. À part les Iroquois, quoi, mais ça allait pas bien loin non plus. C'est vrai que ouais, les rapports entre la France et la Nouvelle-France, enfin le Nouveau Monde, c'est assez intéressant à cette époque. Mais quand même, il y a des trucs dans le fond à étudier, puis il n'y a pas non plus beaucoup de jeux stratégiques qui touchent en détail à cette période-là de la colonisation. On parle souvent de... Bah, y'a American Conquest. Ah, bah, je connais pas. Mais c'est vrai que. Ah, mais bah, t'as la guerre de 7 ans, quoi. Ouais, exact. Je vais devoir filer, moi, malheureusement, en 12, comme j'ai mon rendez-vous. Ouais, eh ben, merci Xalo d'être passé. Ça m'a fait plaisir que tu sois là. Ça fait super plaisir, merci de m'avoir invité. C'était vraiment cool d'observer la partie un peu partout et essayer de commenter en même temps. C'était pas facile. Mais merci à tout le monde. J'espère que ça va se passer. Merveille pour le reste. J'espère qu'on fait ça aussi bientôt, un truc comme ça. Après, on refera un super show, je pense, fin septembre ou début octobre. Hein. Ça pourrait être pas mal de faire ça de façon régulière. Ouais, on pourrait essayer de faire un show plus fixe. Et certaines périodes de temps, disons, on recommence. Et on te demande, Xalorian... C'est quand ton prochain live? Ton prochain live. Ouais. Mon prochain live, c'est sûr que... Semaine prochaine, mardi, mercredi, normalement. Je fais pas de promesse. Par contre, si vous passez sur ma chaîne YouTube, à partir de tous les lundis, je vais mettre une petite courte vidéo pour planifier les lives de chaque semaine, comme on n'arrête pas fixe. Donc, mais oui, mardi, mercredi, normalement, c'est mes streams, là. Bon, allez. Ok, merci. Allez. Ouais. Plus. Bon courage. Bye bye. Bye bye. Donc il y avait une question intéressante qui m'était posée là de Lucas. Y aurait-il moyen de faire une série relais sur Europa Universalis 4? Donc moi j'y réfléchis depuis un moment. C'est ce que je pose depuis tout le temps. Et qu'est-ce que vous en pensez aussi, c'est vrai. Moi, si on fait une custom nation. Moi je suis le gars d'Europa donc. Si on fait une custom nation avec la République où il y a 40 ans là. Ouais. Le roi qui dure 40 ans là. T'es oui, à Calambrasienne, c'est... non c'est pas ça, c'est... Oui, ouais. Ça pourrait marcher, du coup. Que, voilà, ça ferait 40 ans de gameplay, quoi. Mais le problème, ce que je trouve sympa, moi, dans le relais, c'est que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Tu vois, il y a ce côté-là qui est sympa aussi. Bien que, après, on pourrait dire au pire, mettre comme règle, que si jamais vraiment ça, t'as fait la moitié d'un épisode avec, tu dis, bon, tu peux en faire un autre, quoi. Tu vois, je veux dire, on n'est pas obligé non plus d'être... complètement psychorigide par rapport à ce sujet-là, tu vois. Mais si on se met des règles adaptées, ça pourrait le faire. Hein. Ça peut être intéressant. Moi, j'ai un truc. Oui. C'est un problème. C'est un problème si, par exemple, prenons le cas des Ottomans. Genre, il y a des tas de nations comme ça. Ouais. Si moi, je joue les Ottomans, mon empereur meurt. Il est très jeune au début. Je crois qu'il a genre 12 ans. C'est ridicule l'âge qu'il a. Il va mourir à 60 ans. Son héritier, il aura... Je meurs, je passe le relais, je passe par les Girac ou à toi, et la personne qui va suivre l'héritier, la personne qui va jouer, il aura quoi, 50 ans, 40-50 ans, donc le youtuber qui suit... C'est typiquement le cas dont je parlais. Sur Europa, c'est ridiculement Oui, mais sur Crusader King 2, c'est le même problème, c'est que si t'as un roi qui vit très très vieux et que son héritier a 60 ans, tu te retrouves avec la même situation, bien que dans Crusader King 2, tu puisses par exemple te mettre en électif pour mettre quelqu'un d'assez jeune pour éviter le problème, par exemple, quelque chose que tu peux pas faire dans Europa. Mais dans ce cas-là, si vraiment le mec il a régné que le temps d'un épisode... Bah, tu joues encore un héritier, on va dire par exemple, allez, 5 épisodes minimum, tu vois, et du coup, t'enchaînes, et au bout du 5e épisode, si le mec meurt, et bah, il meurt. Tu vois, par exemple, je sais pas, il faudrait qu'on mette en place des règles qui puissent pallier à ce genre de situation. Ouais. Parce que quand tu vois, par exemple, après, le truc qui est sympa, voilà, Imperator qui a pu faire que 3 vidéos sur Guinness Island, il était vachement déçu. Et moi aussi, j'étais déçu qu'il soit déçu, tu vois. Et j'avais presque envie de lui dire, bah écoute, t'as qu'à jouer le souverain suivant, mais vu qu'on s'était déjà organisé pour que Caudran reprenne. En plus, vu qu'il y a eu 2 semaines d'écart entre les diffusions d'Imperator et celle de Caudran, Imperator aurait très bien pu continuer et faire, allez, il fait un deuxième souverain, c'est pas grave, il a pas eu de chance avec ce souverain-là, il continue, tu vois. Ouais. Puis bon, finalement, c'est
respectait pas la règle qui a été mise en place, on savait pas trop, on n'a pas assez parlé sur le sujet. Donc si on démarre un truc sur Europa, on peut très bien se dire, bon écoutez les mecs, là j'ai eu le temps de faire que deux vidéos, est-ce que je peux continuer avec le souverain suivant? Oui, il y a pas de souci, fais-toi plaisir quoi, tu vois, ça te pourrait passer. Oui, voilà. Après, ce qui est sympa sur Crusader Kings 2, c'est quand même aussi la personnalité, ouais, le souverain, tout ça. C'est et ça, ouais, coup, c'est super sympa, ouais. Le truc que j'ai, enfin, que je trouve super intéressant, c'est que du coup, on se dit, tu sais, genre, tu passes la succession, et donc du coup, c'est carrément une autre personne qui reprend la sève, comme si c'était vraiment le nouvel héritier, quoi. Bah, c'est et ça du coup, qui est sympa, ouais. Et la façon de jouer va être complètement différente, et bah, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus réaliste, en tout cas. Enfin, c'est beaucoup, ouais, c'est sympa. Ça s'y prête, en fait. Est-ce que tu peux cliquer sur continuer? Ah oui, pardon. Même si à la bien vu, bien vu. Même si à la base c'était plus pour une république marchande. Mais bon. Du coup les gars, je vais vous laisser. Salut Tim. Ouais. Merci pour l'invite, c'était sympa. Ouais, avec bah, plaisir. Je vous en prie. Et t'as passé les 1000 ou pas dans la soirée pour, Non. T'as pas regardé? Ah non, malheureusement pas. Non. Ah pourtant j'aurais demandé. Hein. Ouais, avec je le sais, monde qu'il y avait, ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu. Bah je vous dis à bientôt, quasiment à tous en tout cas. Oui, bah oui, ouais. Ouais, bien, bah ouais, bah à mardi a priori. Passez une bonne fin de nuit. À toi aussi. Oui, a priori, ouais. Bye bye. Bye bye. Ciao. Alors, est-ce qu'on a encore des questions? Ouais, il y en a plein sur le chat. Alors, attends, il faut que je remonte du coup. Que pensez-vous de la perte du comté de Berry dans la série Relais CK2? Oh, je sais pas, c'est des choses qui arrivent. C'est la série que j'ai pas suivie encore. Pour ouais, bah c'est une série qui se passe assez mal. c'est vraiment l'horreur à jouer. Oui, je regarde ça. Il y a des fous. Ah bah avec l'Irlande. Oh là là, la dynastie de tarés quoi. On a tous suivi un roi fou, je crois, ou un truc comme ça. Ah ben, non, mais moi j'ai adoré la vengeance d'Imperator. Hein. C'était quand j'ai chargé la partie Danemark, je venais de la récupérer d'Imperator. La partie que je lui avais passée sur Guinness Island, j'étais retrouvé avec un souverain fou qui avait la grande variole, d'accord. Moi je charge ma partie, je regarde mon souverain, je le vois fou avec la grande variole. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment il a fait? Il l'a fait exprès. C'est une vengeance. Mon dieu, quelle horreur. Donc j'étais mort de rire. Et le problème, c'est qu'en fait, j'ai vu ça avant de record l'épisode, et du coup, ma réaction sur le coup, j'ai pas pu la capturer, malheureusement, parce que ça aurait été vraiment parfait. Donc du coup, j'ai essayé, quand j'ai tourné après, de dire, regardez, cet enfoiré, il m'a mis ça et tout, en disant gentiment, bien sûr, quoi. Mais sur le coup, ma réaction, je pleurais de rire presque, tellement c'était marrant, quoi. Il m'avait vraiment remis exactement la même chose dans la face, c'était vraiment mérité, tu vois. Ça, c'était bien joué, hein. Ah, c'était vraiment bien joué, ouais. Mais il faudrait que j'aille voir ses vidéos pour voir s'il l'a fait exprès. Je suis sûr que oui, en plus. Bon, après, ouais, si je remonte un peu assez haut, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a comme question. Vos pires souvenirs ouais, de jeu. Chose, tiens, plus, je vos crois, pires souvenirs de jeu, ça peut être intéressant. Ouais, sur CK2, il y en a un. Ah ouais, vas-y. Des fois, genre tu trouves. Enfin, ah non, c'est avec la Horde d'Or. Parce que du coup, il y avait une fois avec la Horde d'Or. Bah, du coup, c'était en vidéo aussi. Et j'étais la Russie et voilà. L'Empire de Russie qui se fait écraser. Après, ah oui, les principautés, tout ça, ouais. C'était horrible. Et après, j'avais une autre partie. C'était pareil en fait sur CK2 où c'est les Aztèques en fait qui sont venus m'attaquer. J'avais Castille. Et du coup, je savais pas que les Aztèques allaient être aussi puissants. Et voilà. Il n'y a pas un DLC pour que les Aztèques attaquent ou je sais pas quoi? Bah si, c'est le DLC... Sunset Rise ou je sais ouais, pas quoi. Ouais, Sunset Invasion ou un truc comme ça. Ouais, Sunset Invasion, ouais. Ouais. Et du coup, ils viennent et ils te pop. Mais c'est la Horde d'Or en fait, mais de l'autre côté quoi. Après, t'es pris un sandwich. Oh là là. C'est horrible. Ouais. Après, sur d'autres jeux, bon non, je pense pas. Tellement. Moi, un de mes pires souvenirs récents, c'est sur Blood Bowl 1. Ce jeu me fait criser, j'ai des épisodes où je rage, mais comme j'ai rarement ragé, j'ai presque hésité à publier les vidéos après en me disant c'est pas possible, ça va buzzer, les gens vont me connaître pour cet épisode, tu vois, j'étais vachement inquiet quand j'ai publié, quoi, tu vois, je me disais putain, j'ai un peu serré les fesses, mais au final ça s'est bien passé, et non mais ce jeu me fait rager, quoi, je veux dire, il y a beaucoup de jet day en fait, donc du coup, toi, tu vois, tu fais une action pas risquée, du genre, t'as une esquive à 2+, tu vois, sur un D6,
Donc t'as... Et en plus, t'as droit à une relance. T'as le droit à faire deux fois un D6, d'accord? Bon, bah, tu lances un, tu relances un. Ok, donc t'as perdu ton tour, c'est à l'autre de jouer. Puis tour suivant, tu refais une action. Un, un, d'affilée à nouveau. Tu... Ok, et c'était la première action que t'as fait. Le truc absolument sans danger, sans risque. Boum! Alors qu'en face, le mec, il a des momies qui ont un d'AG qui, du coup, font des esquives à 6+, sans relance. Et le mec, il enchaîne 3-6, quoi. Là, tu fais, mais non, quoi, c'est pas possible! Et il y a eu un match comme ça que j'ai perdu d'ailleurs, où en fait l'IA n'a fait que des jets de malade tout le match, et moi j'ai fait que des 1. J'ai dû en faire une vingtaine en tout, et l'IA a dû faire une vingtaine de 6. Et c'était, mais tu te disais, c'est pas possible, le jeu il le fait exprès quoi, à ce niveau-là de malchance, c'était vraiment l'horreur quoi. Donc du coup voilà, ouais, c'était, ça c'était 4, mon pire quand souvenir. Quand t'as les rebelles. Ouais, ah, les rebelles. Pareil, tu 4, t'enchaînes les 0. J'ai 12 et toi 0, tu sais. Ah. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis ça germe, pou pou. Rien arrêté. Mais sinon, rien de particulier, je sais pas. Non. Non, toi, pas de rage, hein, pas de rage ultime. Non, pas spécialement. Bah, à part les rebelles sur EU4, quoi. Mais enfin, c'est surtout que j'ai envie de foutre des claques aux développeurs, quoi. Mais c'est tout. Mais. Ouais. Bah, en même temps, tu vois, moi, je me dis, ça doit être un cauchemar d'être développeur sur ce jeu, parce qu'ils empilent les fonctionnalités les unes sur les autres. Et je pense que, enfin, je pense qu'ils ont quand même fait pas mal de nettoyage sur les derniers patchs. Mais il y a un moment donné où, enfin, déjà quand tu t'intéresses un peu au modding, par exemple, parce que le modding sur CK2 et U4, c'est quasiment la même chose. En fait, c'est le même langage. Il faut modifier un peu les mêmes fichiers. La structure des deux jeux se ressemble énormément parce que c'est le même moteur en fait. Le moteur, comment il s'appelle déjà? Clausewitz. Clausewitz Engine. Ouais, et en fait, mais quand tu vois déjà le cauchemar que c'est de faire un mode un peu compliqué du style Total Conversion, quoi. Genre moi qui ai travaillé sur le mode Warhammer, j'ai vu le cauchemar que c'était, quoi. La quantité de choses à modifier, c'est un truc de malade. Et en gros, tu te dis putain, mais les devs, ça doit être un cauchemar à maintenir ce jeu, tu vois. Dès qu'il y a une nouvelle patch qui sort et que je vois qu'il y a encore des bugs, ça m'étonne pas. Moi qui travaille dans le secteur, je me dis, je le sais, quoi. Tu vois, je sais ce que c'est dans l'informatique d'avoir affaire à un logiciel d'une complexité énorme que presque peut-être plus personne ne maîtrise. Parce que bien entendu, la plupart des développeurs Europa Universalis 4 sont partis sur Heart of Iron 4 ou peut-être sur Stellaris, je sais pas. Oui. Il y a peut-être qu'un seul mec qui s'occupe de tout ça, ou voire deux, tu vois. En tout cas, sur Crusader King, je crois qu'il y en a qu'un. Il est tout seul, le mec. Mais ça doit être l'horreur, quoi. Surtout si en plus c'est un mec qui était stagiaire au début et qu'il a été embauché après pour faire ça. Je peux te dire qu'il doit souffrir, hein, si tu veux mon avis. Hein. C'est pas un cadeau. Mais c'est pour ça qu'il rajoute plus aucun truc stylé, en fait. Genre, tous les mecs sont en train de développer Heart of Iron, c'est ce qu'ils ont dit. Et genre, c'est tout. Ils peuvent rien faire. Ils ont dû, déjà après City Skyline, ils ont dû recruter genre une cinquantaine de personnes, ce qui est absolument énorme pour Paradox. Ouais. Ils ont 4 ou 5 studios de développement à gérer. Genre, il y a le truc au nord, le truc au sud, le truc en Islande, tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment, pour Paradox, c'est très 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 compliqué. Après ça reste un petit éditeur, quoi, tu vois, c'est pas non plus. Donc, c'est pour ça aussi, quoi. Oui, c'est vrai qu'il fait pas autant de ventes. Ah, il y a aussi c'est pas non plus indépendant, je veux dire, il est quand même bien inscrit dans son truc. Non, hein. Il est bien installé, hein, honnêtement. Ouais, ouais. Sur le marché. Oui. Bonne position, honnêtement, je lui donne une perspective stable. Je vais rebondir pour vous poser la question, un peu le pendant de la question qu'on vient d'avoir. Quel est votre souvenir le plus épique sur un jeu? Ah, tiens, le live a un peu crashé. Bon, c'est revenu. Vous êtes toujours là? Le souvenir le plus épique, le truc qui vous est arrivé, soit... Ah, bon, moi, ouais. Vas-y, vas-y. Moi, c'était durant un live. Le premier live que je fais, en plus, c'était sur CK2. Ouais. Et alors, je prends un dirigeant, donc j'avais pris... c'était la Normandie, non? Qui te permet d'avoir après l'Angleterre? J'en souviens plus. Oui. Et, joues Guillaume le Conquérant. Et en fait... Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, ça, c'était foiré. J'ai eu que du malheur, quoi. Genre, mon dirigeant était devenu fou, il était devenu homosexuel, il était détesté par tout le monde. C'était l'acharnement du destin, tu vois. Et puis après, tout le monde me déclare la guerre, mais je fais, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je me fais excommunier. Voilà, c'était mon premier live. D'accord. Toi, Caudran, c'était mon premier live. Le meilleur... Attends, on parle du meilleur ou du pire, là?
Le meilleur moment, le moment le plus épique, le truc qui vous est arrivé, que vous étiez, vous hallucinez. Oui, bon là, c'était pas le meilleur, mais c'était plus épique, voilà. D'accord. Oui, enfin, épique, franchement, le plus que ce soit le meilleur ou le pire. Quoi. Ou le pire. Alors, pendant que tu réfléchis, moi, je vais le dire. Ah, putain. Je vais le dire, ouais. C'était sur Darkest Dungeon. Où je me suis retrouvé face à un boss, un énorme boss, et en fait que j'ai affronté de la pire façon qui soit. En fait, en gros, t'as un énorme boss, et juste derrière, t'as son petit compagnon, tu vois, son petit camarade. Et en gros, si t'attaques le petit, ça enrage le gros, et il fait genre 3 fois les dégâts quand il te tape, tu vois. Et en gros, il te tape tes 4 joueurs en même temps, enfin, c'est un cauchemar, quoi. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvé avec mes 4 mecs qui étaient aux portes de la mort. Quand t'es aux portes de la mort, c'est que t'as 0 PV et qu'au prochain coup, t'as un pourcentage de chance de mourir. Et je me suis battu pendant bien 10 minutes contre ce boss, avec tout le monde à 0 PV, et personne n'est mort. Et j'ai réussi à le battre. Et je peux te jurer, c'est sur la série, je crois que c'est l'épisode 18, un truc comme ça, mais c'était épique, quoi. En plus, j'étais en live, les gens sur live, ils étaient « Ah mais non, mais c'est pas possible, comment il fait pour pas mourir, tu vois ?» Mais limite, ça m'a laissé presque, comment dire, c'est la première fois que j'arrivais aux portes de la mort, je me disais « Oh, c'est pas si grave que ça, du coup, 2 épisodes après, j'ai eu un mort. » Tu vois, parce que je me disais, ouais, c'est bon, porte de la mort. Moi, je survis à ça, y a aucun problème. Poum. Ah merde, le mec est mort. Oh putain. Bah en fait, non, j'ai juste eu de la moule. Donc, c'est, voilà. Un des moments les plus épiques que j'ai eu récemment. Bienvenue à Clem0401 Dutch. C'est vrai que, non, moi, moment épique, je sais. Si. Ma première série vidéo sur Rome Barbarian Invasion avec les Francs. Ouais. À un moment donné, il y a les hordes 1 qui t'attaquent. Et moi, j'avais fondé mon petit royaume et les batailles que j'avais fait contre les 1, mais c'était des boucheries épiques et complètement énormes, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment... ça envoyait vraiment du lourd, vraiment du pâté. Et c'est vrai que ça remonte maintenant, c'était ma première série. Mais c'est... Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Les batailles contre les 1 sur Barbarian Invasion, dans la première série, avec les Francs. D'accord. Moi j'en ai 2. Vas-y Poki. J'y pensais, c'est entièrement lié à YouTube en fait. Ouais. C'était déjà, premier truc, il y a 8 mois, c'était, alors on pouvait choisir avant, j'avais dit, les doctrines, autant de doctrines militaires qu'on voulait. Et les doctrines militaires, on le sait tous, c'est complètement OP, tu prends une aristocratique, défensif, tu pourrais tout prendre. Bienvenue à l'identité. Et moi j'avais fait une de ces séries, c'était avec Brandebourg. Ouais. Et Brandebourg, déjà en plus il y a 8 mois, tu prenais du full militaire. Tu te faisais plaisir. Donc j'étais contre la Pologne, je les avais entièrement dessus parce qu'ils me faisaient pas chier, j'étais dans le Saint-Empire comme ça, j'étais en train de tout prendre, et il y a la Pologne, je crois qu'ils étaient en coalition avec la Lituanie et tous ces trucs là, ils m'ont attaqué. Alors moi j'avais genre juste 20 000 hommes pour défendre ma frontière à l'Est, 20 000 hommes, genre c'était 8 000 d'infanterie, 2 000 de cavalerie et 10 000 d'artillerie, donc c'est la base. J'avais un leader, Bimbak. 6, 6, 5, 3. Oh mon dieu! Pour avoir ça sur Europa, faut y aller. Ah ouais, faut y aller, donc, ouais. Et il y avait la Lituanie avec la Pologne, vu qu'ils avaient leur mariage à la con. Ils se sont mis ensemble, il y avait un stack de 100 000 hommes et plus, c'était 100, 102 000, un truc comme ça. Ils se jettent sur Bimbak. Bimbak les a repoussés et je les ai wipe en 3 attaques. Ça, c'était certainement le truc le plus épique que j'ai fait sur Europa. Et le Bimbak, je l'ai recruté au moment de la guerre, je suis là. Oh merde, il me faut un bon général. Je le prends, 6, 6, 5, 3. Épique. Alors là, j'étais aux anges. Putain, ouais, c'est énorme. Mais moi aussi, j'ai eu des moments épiques sur ma partie avec Brandebourg. T'as vu parce l'appel que... aux armes. Ouais, ouais, on a... je fais quoi? J'accepte ou je refuse? Parce que j'ai toujours la pop-up, là. Non, moi, j'ai refusé. Hein. D'accord. J'ai refusé. Okay, tu l'avais déjà t'as fait. Vu contre quoi il se... T'as vu ce ouais, qu'il ouais, s'est non, fait c'est un truc de malade. c'est un bon, truc de malade. Ouais, pareil, avec Brandebourg, je veux dire, au bout d'un moment, si tu prenais le bon combo de... Parce que moi, j'avais pris genre les doctrines Aristo, doctrine de qualité, doctrine d'attaque, doctrine de défense, je crois, doctrine d'innovation. Ouais. Et je sais plus quoi après. J'avais tout le temps, 100 de tradition militaire. Tout le temps. Ça descendait jamais. Bah, ouais. Ça descendait, mais mais voilà. Et en plus, j'avais jamais de lassitude de guerre parce que ça diminuait aussi automatiquement et tout.
Et du coup, putain, j'avais tout le temps des généraux épiques, quoi. Dès que je genre, recrutais un général, oh, un 5-5, tiens. Oh, il est moins fort que le précédent, dis donc. Enfin, tu sais, c'est vraiment... Tu t'habitues, tu donnes des mauvaises habitudes quand tu joues ce pays, parce qu'après, tu prends, genre, l'Angleterre, et t'as des 0-0-1, tu vois, tu fais... Ouais, putain de nation de merde. Alors que là, mon Dieu, quoi. Attendez, est-ce qu'on a... Alors... Je cherche les questions. Ouais, je regarde un peu, est-ce qu'il y en a eu qui est d'intéressante. Alors, on me parle de faire un let's play sur le mode Long War de XCOM. Alors, c'est un mode assez peu connu, je vais en profiter pour en parler un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas. XCOM, parler, donc, ouais. C'est le jeu... Bon, tout le monde connaît XCOM, je pense. Et il y a des mecs, en fait, je soupçonne d'ailleurs les développeurs du jeu de les avoir aidés, parce qu'ils ont fait vraiment un reverse engineering de fou. XCOM, c'est un jeu où t'as une attaque extraterrestre de la Terre et tu joues en fait des escouades de soldats qui interviennent pour les repousser, quoi. Et c'est une espèce de okay. truc tactique tour par tour sur la carte de combat et après t'as la gestion de base, tu vois, avec tes mecs et tout. Et en fait, ils ont intégré vraiment des mécaniques de jeu supplémentaires qui rendent le jeu 100 fois plus difficile parce que le jeu Vanilla... Il y a plein de mecs sur YouTube qui ont fait des vidéos, des séries complètes sur le jeu en mode Iron Man impossible, tu vois, difficulté impossible et qui y arrivaient assez facilement. Je trouve qu'ils tirent mal, hein, pour des tireurs d'élite, des fois. Ouais. C'est clair, mais il faut être bien positionné en régime pour faire des tirs. De toi, il est en face de toi, à deux carrés. Ouais, là, mais le mec, il a de la défense, enfin bref, c'est... Ça dépend quoi. Mais ce qui est rageant dans ce jeu, c'est le tir à 99% qui rate quoi. Ça, c'est un truc de malade quoi. Oui, mais ça m'arrive tout le temps. Voilà. Ça m'arrive tout le temps. Et donc, t'as des mecs, t'as un type qui s'appelle Beagle Rush, qui est un youtubeur australien qui fait une série, qui a fait des séries sur XCOM Vanilla et qui, depuis septembre dernier, fait une série sur XCOM Long War que je suis de façon assez, assez régulière. Et en gros, le jeu, voilà, le mode complexifie le jeu, rajoute des nouvelles classes de soldats, rajoute un système en fait qui fait que après chaque mission, vos soldats sont fatigués pendant une semaine. Donc, si vous réutilisez des soldats fatigués dans cette semaine-là, ils vont devenir blessés après. En gros, ça symbolise le fait que le mec soit à bout de nerfs, quoi. Tu vois, en gros, tu peux pas enchaîner les missions avec les mêmes mecs. Alors que dans le Vanilla, tu pouvais le faire. Donc, dans le Vanilla, t'avais juste ta team de 6-7 soldats. Et t'avais que cette team, tu vois, en gros, et tous les autres, ils servaient juste de backup au cas où il y en a un qui meurt. Alors avec le mode Long War, t'es obligé de maintenir 4 rosters, donc 4 équipes de 8 soldats pour arriver à résister à l'invasion alien. Parce que des fois, tu te fais attaquer 3 jours d'affilée, ce genre de choses, quoi. Et même avec 4, des fois, tu galères. Donc du coup, c'est 100 fois plus compliqué de gérer ces soldats. Je veux dire, la perte d'un soldat a vraiment beaucoup plus d'impact que dans le mode, Vanilla. Et du coup, je récupère un ingénieur. Du coup, voilà, le mode est vraiment exceptionnel, excellent. Et j'avais prévu à l'origine sur ma chaîne de faire du XCOM Long War, sauf que c'est très 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 long comme série. C'est un truc vraiment où on s'engage pour très longtemps. Et le problème, c'est que sur XCOM, c'est un jeu où vous pouvez pas faire des épisodes de 20 minutes. Vous faites une mission par épisode. J'accris en Pologne. Et vous avez des fois des missions qui peuvent durer 3h, 3h30, quoi. Des grosses missions d'attaque de vaisseaux de ravitaillement ennemi, par exemple, ça peut prendre jusqu'à 3h30 la mission. Donc c'est un peu un cauchemar pour faire des séries sur ce jeu. Et donc justement, je voulais faire de la pub pour Bubu Jeu, qui a commencé une série genre la semaine dernière. D'ailleurs, il avait fait une annonce comme quoi il démarrait une série sur XCOM, et je lui ai demandé s'il faisait une série sur le mode Long War. Il m'a dit, ah ben non, je connais pas. Il est allé regarder, et il a tellement kiffé le mode que du coup, il a démarré sa série avec le mode. Et du coup, il m'a mis dans le jeu. Je suis un de ses soldats. Alors, je sais pas encore si je suis encore en vie d'ailleurs. Il faudra que j'aille voir. Parce que c'est ça qui est génial dans XCOM, c'est que tous tes soldats, tu les nommes à partir de tes abonnés. Du coup, tu peux vraiment avoir un sens de l'implication des gens qui regardent, quoi, tu vois. Et du coup, et le deuxième youtubeur que je connais qui fait une série sur Long War, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup en France, c'est Laurent Desmond, qui a à peu près 300 abonnés, je crois, un truc comme ça. Je vais mettre le lien de sa chaîne dans le chat. Parce que je vous conseille d'aller jeter un œil. Il est vraiment très très avancé dans sa bêta. Il est à l'épisode, je sais pas, il doit être à l'épisode 223. Voilà, il est à l'épisode 223, le mec. Et chapeau. Et il fait du Europa Universalis 4 en plus sur sa chaîne. Donc voilà, je vous mets le lien vers sa chaîne et je vous conseille d'aller jeter un œil. Ça ne peut être qu'un brave homme. Ah ouais, ouais, il est très sympa. 295 abonnés, voilà, ce serait bien qu'il passe les 300 dans la soirée grâce à cette petite coup de pub. Je l'avais invité d'ailleurs pour qu'il présente sa chaîne pendant le super show, mais il n'était pas là malheureusement, il est en vacances.
Est-ce que ce mode Long War vaut vraiment le coup? Si tu aimes le jeu XCOM Z Knight, oui, je te dis, Long War change drastiquement le jeu et ça en devient une, c'est une perle quoi, franchement. La quantité d'équipement que ça t'ajoute, la gestion du combat aérien devient très très difficile parce que tes avions sont quasiment incapables de shooter un vaisseau ennemi sans. Il faut qu'ils y aillent à 4 d'affilée et ils reviennent tous endommagés et du coup après le temps de réparation tu te fais défoncer par le prochain UFO qui passe quoi. C'est vraiment 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 un mode très impressionnant et qui mérite d'être plus connu. Et vu qu'il y a des youtubeurs du coup qui en font un peu sur en France, voilà, je tenais à faire un petit coup de pub pour eux. Et bon, moi j'ai pas le temps malheureusement. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait aussi un peu du Long War. Mais du coup, par contre, je ferai du XCOM 2. Voilà, et probablement avec Laurent ou avec Bubu, on verra si on peut pas faire des choses ensemble quoi. Donc voilà, c'était le petit encart XCOM de la soirée. J'ai connu ce mode grâce à Isoca qui lui fait des streams dessus. D'accord. De temps en temps, donc voilà. Ok, alors est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être? À moins que vous vouliez. Alors on demande quand est-ce que finit le live, je sais pas trop, là, ça peut finir à n'importe quel moment. Un peu à l'arrache là maintenant, passé minuit. Ouais, c'est vrai que passé minuit. Mais pour moi, passé minuit, c'est le début de la soirée, là, les mecs. Je me couche à 3h d'habitude. Ah non. Est-ce que ça nous est arrivé de reprendre une sauvegarde précédente dans Europa Universalis 4 suite à un mauvais événement en dehors des let's play? Alors moi, je l'ai fait, oui, pour mes let's play sur Byzance. Parce que les débuts de partie, souvent, sont tellement tendus que du coup, tu sauvegardes assez régulièrement. Pour essayer. Mais ça, je le fais pour essayer de trouver... une stratégie adéquate pour arriver à battre les Ottomans, donc c'est un peu un cas particulier, mais 99% de mes séries, depuis très très tôt que je joue à Europa Universalis 4, je joue en mode Iron Man, donc je ne peux pas charger de sauvegarde précédente. Voilà. Donc mauvais événement ou pas, je suis obligé d'assumer. Bullshit, sinon, Ouais, moi ça m'est arrivé, surtout au début en fait, hein, quand j'apprenais un peu le jeu. Et c'est vrai qu'après, bah vu que, enfin non, je m'y suis mis récemment à jouer en Iron Man, hein, j'ai beaucoup joué sans Iron Man, puis au final, où je remontais pas tant que ça les sauvegardes, au final. Justement, c'est là que je me disais, oh, puis finalement, je vais peut-être jouer en Iron Man, et puis comme ça, ce sera réglé, quoi. Bah, en même temps, je trouve que c'est tellement tentant dans Europa, justement, de recharger une sauvegarde, parce que ça, c'est des choses, par exemple, j'ai fait beaucoup dans Crusader King 2, et je me suis rendu compte que quelque part, ça enlevait pas mal du challenge, justement. Et c'est pour ça que très tôt je me suis mis à jouer aux deux jeux en mode Iron Man, parce que comme ça en plus t'avais les succès, et c'est du coup toujours vraiment un plaisir d'arriver à gagner un succès, parce que tu sens, t'as vraiment le sentiment de l'avoir mérité quoi, parce que tu voilà, c'est plus challenging. Et après bon, j'ai jamais vraiment eu dans aucune partie de situation tellement catastrophique que le let's play était foutu quoi, vous voyez, j'ai toujours été suffisamment, j'ai toujours réussi à m'en sortir en fait. Après, bon, j'ai pas non plus fait des centaines de parties, oui, avec tous les pays du monde. Hein. Quelques centaines d'heures de jeu, c'est compliqué vraiment de se faire marcher dessus par l'IA, quoi. Ouais, voilà. On connaît à peu près les stars, on connaît à peu près les actions et tout qu'il y a qu'à faire. Alors, il y a History qui nous demande « Prochain Let's Play sur Europa Universalis 4 ou Crusader King 2, si oui, sur quelle région ?» Alors, nous, là, honnêtement, moi, pour l'instant, j'ai pas une visibilité à très long terme sur Europa, parce que, ben, déjà, j'ai Common Sense, Ordre Teutonique à finir. Le multi, on a encore quand même pas mal de temps avant d'arriver à boucler la partie. Après, j'ai aussi la partie avec les Vikings en Amérique à terminer, parce que j'aimerais quand même boucler la partie, même si elle est plus diffusée de façon régulière. J'aimerais boucler aussi la partie avec le Portugal, qui est en version 1.9, tu vois. Donc déjà, j'aimerais arriver à boucler ces let's play là, même si peut-être que sur le Portugal, je le bouclerai en 2 ou 3 vidéos montées, accélérées, tu vois, un truc un peu à l'arrache, trash, pas très... voilà. Et après, du coup, je sais pas absolument pas sur quoi je vais jouer. Et par contre, sur Crusader King 2, j'hésite encore entre faire une partie vanilla avec tous les modes, mais sans le faire en relais, vu qu'on a fait surtout du relais pendant cet été. Voilà. Et ou faire vraiment directement une partie avec des Total Conversions, soit Elder Kings, soit le mode Warhammer, ce genre de choses. Voilà. En gros, pour moi. Je sais pas pour vous après. Bohème, lettre d'insulte. Ouais, je l'ai vu, ouais. Mais Jay, toi, tu étais censé faire, je suppose comme nous tous, un let's play sur Heart of Iron 4 qui était censé sortir
Mi-juin, fin juin. Ah non, moi j'avais pas planifié. J'avais pas planifié ça. J'avais pas planifié ça, moi. J'avais planifié déjà au mois de janvier. Ah ouais, d'accord, ouais. Alors, on me demande, alors Tamil demande, est-ce qu'on fera toujours du Europa ? Alors, moi, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Enfin, vu la quantité de vidéos que je fais, j'ai la place pour toujours avoir un créneau de disponible pour du Europa. Mais entre Heart of Iron 4 et Stellaris, il y a des chances peut-être qu'à un moment donné, Europa passe au second plan, quoi. Bah, ça va s'éclipser. Non, puis après, je veux dire, il y a d'autres jeux aussi. Il faut pas non plus que faire un truc, hein. Non, mais après, c'est vrai que moi, Europa, c'est un peu quand même... Enfin, en tout cas, les jeux Paradox, c'est un peu le cœur de métier de ma chaîne, tu vois. Donc, je peux pas non plus tout abandonner du jour au lendemain en disant, tiens, on va faire du Call of Duty, tu vois. Je veux dire, ça serait pas possible. Mais il y a beaucoup de jeux que j'ai envie de faire autre, mais j'aurai toujours un créneau pour un jeu Paradox, en tout cas. Si c'est pas du Europa, ça sera du CK2 ou du Heart of 4 ou du Stellaris. Par exemple, ouais. Moi, par exemple, un jour, il y aura peut-être plus de Europa, mais par exemple, tu auras du Cossack 3, du Expédition Viking, et du je sais pas, du machin, du Pharaon. Ça reste sur le même thème, tu vois. Ça reste sur le même thème. Bah, c'est ça, ça reste sur le même thème, mais moi, il y aura pas toujours que du Europa, ça c'est quelque chose, c'est sûr, quoi. De toute façon, un jour ou l'autre, j'aurais plus envie de jouer avec toi, tu sais bien. Bah, oui, c'est sûr. On va se lasser. On fait juste un truc sur Heart of Iron 4. Mais il faudra qu'on se fasse du multi, pareil, sur Heart of Iron 4. Je serais assez curieux de faire un super show avec Heart of Iron 4, honnêtement. Parce que, enfin, je croise les doigts. J'espère que leur multi sera plus robuste que Europa. Et s'il l'est, putain, imagine une partie à 50 ou 60. Ça serait monstrueux, quoi. Ouais, c'est très sympa, ça, ouais. Et on parle beaucoup d'Heart of Iron 4, mais moi, ça dépend de la hype qu'il y aura. Parce que là, le fait de repousser... Attendez, ça a été repoussé sur un an, environ. C'est limite, ça. Hein. Genre, ils l'ont repoussé... De janvier à août, de août à janvier prochain, ce qui est purement ridicule, c'est juste pour faire monter la hype. Mais ça dépendra de la Mountain Blade, les youtubeurs, c'est pas paradoxe. Genre Fanta Bob Game. De quoi? Moi ça dépendra des chaînes qui vont faire des vidéos dessus. D'accord. Genre on a vu avec, attendez, c'est quoi non, City Skyline. Ouais. Genre les vidéos ont super bien marché, genre pour ma part. En moins d'une journée, j'avais plus de 1000 vues sur la première vidéo. J'étais là, oh, what? En fait, c'est expliqué parce que Fanta a fait des vidéos dessus, Hypier en a fait, et tout le tintouin. Après, tout le monde s'est recopié dessus. Après, les abonnés, c'était là, oh, tu passes cette vidéo, bon, je vais en rechercher chez d'autres petits youtubeurs, et ça fait des vues pour moi. J'espère que Fanta, par exemple, fera des vidéos sur Heart of Iron, comme il a pu en faire sur Crusader il y a genre 25 ans. Je pense qu'il en fera. Ouais, mais encore une fois, la hype est mousse. Ça n'a pas intérêt très bide à ce jeu. Hein. De là, ouais. Faut se rater. Hein, sinon. Ah, mais mise tout dessus, de toute façon. Intérêt. Hein. Ah, moi j'attends Skyline, le Victoria 3 et tout, mais. Oh, le Victoria 3, c'est avant 2020. Hein. Avant 2018. Ah, on pourrait se bouger un peu, hein. Non, mais moi après. Effectivement, tu as l'effet gros youtubeur qui couvre un jeu, du coup, t'as un afflux de viewers à ce moment-là. Mais. Enfin, moi, ce que j'essaie de faire sur ma chaîne, en tout cas, c'est un mix entre des vidéos faites pour développer la chaîne et des vidéos faites parce que j'aime vraiment foncièrement, profondément le jeu auquel je vais jouer. Heart of Iron 3, j'accroche absolument pas. Tu vois, j'ai vraiment du mal. Pourtant, la Seconde Guerre mondiale, c'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup. Je connais pas mal de choses sur la Seconde Guerre mondiale. C'est pas non plus ma période de l'histoire. Enfin, je sais pas si j'ai une période d'histoire préférée, mais j'ai vu beaucoup de documentaires, j'aime regarder des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, ce genre de choses. Et du coup, Heart of Iron 4, honnêtement, je sais pas si je vais accrocher au jeu. J'en sais rien. Peut-être qu'il va pas me plaire. Mais en tout cas, je vais au moins essayer de m'y mettre. Je vais au moins essayer d'en faire, ne serait-ce que parce que c'est le nouveau jeu Paradox et parce que voilà, faut que je m'y mette. Après, peut-être, tu vois, que je vais essayer d'en faire, que ça va mal se passer, que je vais plus en faire du tout, que je vais regarder Arumba y jouer et que je vais comprendre comment on y joue et que du coup, après, j'en referai. Tu vois, j'en sais rien. On verra comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, je prévois aujourd'hui que je vais au moins faire une vidéo de présentation du jeu, peut-être une série de genre, j'essaie de survivre plus ou moins, tu vois, j'essaie d'apprendre à jouer. Si ça se passe bien que j'accroche au jeu, peut-être que j'aurai une série en permanence, du moins jusqu'à ce que Stellaris sorte. Après Stellaris, j'ai beaucoup plus de hype personnellement dessus, parce que ne serait-ce que sur le principe, je suis un grand fan. Donc voilà, j'attends vraiment celui-là de pied ferme, et voilà, il y a des chances pour que ma chaîne se spécialise plus sur Stellaris après. Mais on verra, j'en sais rien, c'est beaucoup trop tôt pour affirmer des choses clair, de façon péremptoire, comme on dit.
Exactement. Et sinon, il y avait une question sur Common Sense, notre partie. Alors attends, ouais. Je remonte parce que c'était loin. Ah oui, est-ce qu'on va se battre ? Une guerre entre vous ? Ouais. Bah en fait j'avais répondu sur un commentaire sur une des vidéos où le mec il disait oui au prochain let's play vous devriez prendre d'autres nations pour qu'il y ait plus de JCJ et tout. Je dis bon déjà c'est pas du tout le principe, on n'est pas là pour se taper sur la gueule. Enfin moi personnellement dans le multi c'est pas ce qui m'intéresse. Après ça peut être marrant hein, je veux dire d'essayer pour voir. Hein. Pourquoi pas, mais comme je disais dans Common Sense, dans la série qu'on a actuellement, si on se partage la France, enfin je veux dire... moi, j'ai aucun intérêt à descendre trop bas. J'ai aucun intérêt à descendre trop bas. Le seul endroit où toi et moi, Caudran, on pourrait avoir une raison de se faire la guerre, ce serait peut-être sur la colonisation. Si jamais tu commences à coloniser un peu trop l'Amérique du Nord, je pourrais te dire là, ça suffit. Déjà, le coup du traité de Tordesillas. Voilà, et je sais que tu comptes pas le faire parce que je te laisse toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, ça devrait être largement suffisant. Moi, je m'en fous, je veux juste l'Amérique du Nord. Et après, avec Tibbs, on est trop vraiment trop. Alors, le seul endroit avec Tibbs où on pourrait se faire la guerre, c'est pour Raguse. Il vient de l'apprendre d'ailleurs. Parce que moi, à long terme, je me dis, vu que je prends Alexandrie et tout, si j'arrive à contrôler suffisamment Raguse, je pourrais dévier du commerce vers le nord, vers Vienne, et à partir de Vienne, rediriger vers la Manche au final, tu vois, parce que c'est... Depuis Alexandrie, c'est un peu le seul endroit, et si j'arrive à contrôler le golfe d'Aden correctement et tout, j'ai moyen de rediriger pas mal de thunes vers le nord, et si Tibbs contrôle Raguse, il peut rediriger plein de commerce vers Venise, qui est un nœud terminal. Donc, peut-être, ça pourrait être une raison de guerre. Mais après, avec Xalorian, pareil, on n'a aucun intérêt conflictuel dans ce let's play. De toute façon, on a choisi des pays, on a fait exprès. Voilà. Si j'en avais un qui avait pris la France, là, ça aurait été différent. Bah oui, s'il y avait un mec qui avait pris la France, ça aurait été le bordel, quoi. C'est ça, mais on a pris des pays vraiment qui n'ont pas grand intérêt. Il y a toujours des intérêts, mais qui n'ont pas grand intérêt à se faire une guerre. Voilà, quoi. Donc, c'est vraiment fait exprès, quoi, aussi. Des deux joueurs qui éclipsaient, enfin, plus d'intérêt, quoi. Oui, voilà, ouais, c'est ça. De toute façon, après, si je pense si on faisait une guerre, ce serait pas jusqu'à la mort non plus. Ce serait genre pour un bout de terre ou un truc comme ça, tu vois. Mais même, je sais pas si on ferait ça. Ouais. Peut-être dans les dernières années pour le fun, enfin j'en sais rien quoi. On n'y est pas encore. Donc ça répond à la question. Mais sinon, vu que Xaorian et Tiberian ne sont pas là, on peut commencer à faire des plans pour les conquérir. Hein. Ah, il demande, History 5 demande, est-ce qu'il y aura des nouvelles nations pour la série Relais ? On a discuté de la possibilité de démarrer des nouvelles séries. Je sais que Cléassim était peut-être motivé pour démarrer une nouvelle série. Étant donné que... Mais bon, il y a encore pas mal... En fait, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est que, si possible, hein, en fonction des disponibilités et des désirs de chacun, faire en sorte que un peu tout le monde passe sur chacune des séries, avant que les séries reviennent chez quelqu'un qui a déjà diffusé. Donc par exemple, moi je préférerais que tous les participants au projet prennent la série Guinness Island avant que je refasse un peu de Guinness Island. Mais ce qui fait que moi, une fois que j'aurai fini dans deux semaines ma diffusion sur les Carpates, j'aurai plus rien. Ce sera fini pour moi, du coup, le relais à ce moment-là. Il faut que j'attende que... Ah, c'est toi qui fais les Carpates maintenant ? Ouais, c'est moi qui reprends les Carpates, là. Parce que moi, ça fait super longtemps que je me suis, depuis que je suis rentré de vacances, j'ai même pas regardé, en fait. C'est Cléassim qui diffuse en ce moment, et je crois qu'il a fini, d'ailleurs, aujourd'hui. Et Non, il finit milieu de semaine prochaine, et moi, j'enregistre en live vendredi prochain, sur les Carpates. Ah, ok. Et du coup, je diffuse à partir du lundi d'après, et du coup, ça devrait me tenir une dizaine de jours, je pense, hein. Je sais pas trop quel âge aura mon héritier, ou ce genre de choses. Et après, c'est vrai que voilà, j'aurais plus de série, mais moi, à ce moment-là, j'ai plus envie, du côté CK2, de démarrer vraiment une série solo sur ma chaîne, tu vois, parce que beaucoup de monde me le demande, me disait, ok, le relais CK2, c'est cool, est-ce que tu pourrais faire une série solo? On aimerait vraiment te voir faire une série solo, parce que c'est vrai, j'en ai jamais fait pour l'instant. Donc, ça serait plus intéressant. Bah, moi, on m'a dit, c'est bien et c'est pas bien ta série relais, parce qu'en fait, on aurait aimé que tu continues en solo, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. On m'a dit ça. Et c'est, d'un côté, c'est vrai, en solo, c'est vraiment pas pareil. Mais après, bon, la série relais, c'est quelque chose de sympa aussi. Mais c'est vrai qu'en solo, c'est vraiment bien également, quoi. Donc il faudra un peu les deux, je pense. Tout à fait. Donc du coup, ça va dépendre aussi des gens qui rejoignent le projet. Parce que je vois qu'on demandait est-ce qu'il y aura des nouveaux joueurs. Donc Deglingus n'avait pas eu le temps là pendant l'été. Alors j'espère qu'il va peut-être arriver à en trouver, peut-être avec la rentrée. Je sais pas du tout. Hein, on verra. J'essaierai de le relancer. Oui, je crois. Oui. Ouais, je pense qu'il va. Voilà, il disait juste là qu'il était vraiment sur d'autres choses et que il pourrait peut-être reprendre une série. Donc ce serait juste un nouveau joueur, mais pas une nouvelle série. J'ai contacté aussi comment il s'appelle The Crazy Head Gamer, qui
qui m'a dit que le concept l'intéressait bien, mais qui, vu qu'il il venait de redémarrer sa chaîne, parce que ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas diffusé, il se concentrait plus sur ses séries et le démarrage de certaines nouvelles séries qu'il avait prévues, donc il n'avait pas trop le temps non plus. Mais bon, peut-être que dans un mois ou deux, il aura le temps, donc on va le relancer aussi, peut-être qu'il va pouvoir rejoindre. Et après, alors j'ai envoyé un message à The1Euro, mais je pense qu'il ne l'a pas vu. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, il dira non, The1Euro, non. Il me suit sur Twitter, j'ai déjà proposé des idées de séries, et il y a plusieurs choses qui se répondent à son nom, hein. Ouais, comme quoi il ne veut plus faire de vidéos sur YouTube parce que ça rapporte pas assez d'argent, tout ça. Hein? D'accord. Mais The1Euro, je pense pas. Mais non. Ah si. Il fait que des lives en ce moment, il a arrêté de faire les vidéos sur YouTube parce que trop de monde utilise Adblock, il supplie les gens pour qu'ils arrêtent d'utiliser Adblock et tout. Ah ouais. C'est vrai qu'avec Adblock, j'ai déjà proposé des idées. The1Euro me suit sur Twitter, j'ai déjà proposé des idées de série et tout. Mais il a qu'à le tourner en live et après le diffuser sur sa chaîne. Faire comme moi, c'est ce que je fais moi. J'ai déjà proposé, il m'a dit non, il a pas le temps. C'est vrai que ça prend du temps. Non, mais après qu'il ait pas le temps, ça je le comprends, je veux dire. C'est... Les mecs ils sont très occupés. Et les étudiants et tout. Oui. Donc bref, bon. Après, est-ce qu'il y a d'autres joueurs CK2 Moi j'en connais pas spécialement d'autres. J'en connaissais, mais du coup les chaînes elles ont disparu depuis. Ah merde, ouais. Il y en a plein. Ouais, 3-4 au moins quoi, donc bon. C'est la belle époque là, il y a 3 ans. Bon, en tout cas, je veux dire, on est déjà une bonne dizaine. C'est déjà quand même super d'avoir réussi à rejoindre autant à motiver autant de monde. Donc, merci vraiment à vous trois qui êtes là ce soir et à tous les autres qui étaient présents. Il y avait Land2Play qui est passé tout à l'heure, que je lui avais proposé, mais lui il sait absolument pas jouer à CK2, mais sinon ça lui aurait fait vachement plaisir de participer. Donc du coup voilà, c'est. Moi je suis vraiment très très heureux d'avoir voir qu'il y a autant de monde qui. Chez les youtubeurs qui sont sentis motivés. J'espère que ça durera et que vraiment, si possible, tout le monde, même si ça prend du temps, je m'en fous, puisse participer un peu à chacune des séries. On verra, peut-être qu'on en démarrera des nouvelles, je sais pas encore, hein, ça pourrait être sympa. Et puis j'espère que ça pourrait être quelque chose qui vivrait, tu vois, de par lui-même, quoi, presque, en fait. C'est sûr, parce que c'est vraiment ouvert. Je crois qu'on peut tenter vitesse 2, là. Ouais, je pense qu'il y a moins de monde. Vitesse 5, allez. Vitesse 5, peut-être pas, non. Alors déjà, on va tenir... Oh putain, ça fait du bien. Ah oui, je respire. Bah, il y a beaucoup moins de monde aussi, hein. Normal. Oui, c'est sûr. Hein. Alors, qui c'est qui reste encore? Donc, Abroassien, Brûleur de Loup, Guillaume. J'ai mon vassal. Liam, Maxime, Maxil, Nero Dark, Stone et Also JM. Also 33, oui. Eh, bienvenue à Max Laser 54. Non, mais après, voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres jeux où on pourrait faire des choses comme ça, mis à part, bien sûr, Europa, peut-être, possiblement? Ou est-ce qu'on pourrait démarrer des séries relais Europa sur des Total Conversion, type Elder Kings ou Game of Thrones? Ça pourrait être intéressant aussi, hein, on pourrait étudier ce genre de possibilités. Hein. Bah, sur Game of Thrones, ça pourrait être super ça sympa. Ça pourrait être concept. Hein. Après, le mode est pas stable du tout. Ouais, donc, je sais. C'est ça qui est dommage. Parce qu'autrement, ce serait vraiment le bonheur, quoi. C'est vrai que ça manque cruellement de mode. De mode stable. Ouais, de stable surtout. Bienvenue à JJ67690. En tout cas, putain, c'était la folie en début de soirée. On était monté à 180 personnes sur le live. Mmh. Après, il y en a encore 50. Bah ouais, c'est normal. Hein. Oui, c'est normal. Hein. Bah, c'est un peu le défaut de ce concept-là. Moi, en fait, le concept du Super Show avec une partie Europa massive, c'est que je sais que ça va être du vitesse 1 et qu'au final, dans le contenu en tant que tel, ça va probablement pas être très passionnant, quoi. Mais l'intérêt, c'est d'essayer de repousser les limites. C'est d'essayer de voir à combien on peut y aller, parce que bon, ça serait le rêve d'arriver à jouer en vitesse 3 à 50, quoi. Mais bon, on peut rêver, quoi, vous voyez. C'est même pas la peine. Mais après, je me dis, mais est-ce qu'il y aurait un autre jeu qu'on pourrait faire massivement comme ça? Alors, il parlait de War Thunder. Alors, je sais pas, j'y joue pas, moi. Ouais. War Thunder. Ouais, mais c'est pareil encore, je veux dire, il y a des avions, faut upgrader tout ça, faut farmer un peu, voilà quoi, c'est... Europa, t'arrives, t'as le jeu, on pas violence. Tous niveau, hein, c'est bon, enfin, moi, je suis déjà bien avancé, moi, mais...
Alors, History 5, la question que tu poses de l'idée de créer la chaîne, on l'a déjà répondu en début de soirée, en fait. Donc, on va peut-être pas y re-répondre. Mais voilà, ce sera rediffusé en sur YouTube. En gros, résumé, c'était simplement le pour faire des pas du moi, fric. Voilà. Non, ouais, pourquoi pas moi, ouais, c'était vraiment ça. Non, c'était le pourquoi pas moi, et voilà, quand on regardait les autres chaînes, puis on s'est dit pourquoi pas moi, et voilà, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Voilà, tout moi, j'ai vu les girages jouer, je me suis dit pourquoi pas moi. C'était pas compliqué. Hein. Alors, il y a la biscrotte qui se propose pour participer au relais CK2, mais avec plaisir, tu es le bienvenu. Donc dès que tu as démarré ta chaîne YouTube, tu me dis et on te passera une save, il n'y a pas de problème. Même je si tu sais pas trop jouer, c'est pas grave. Je te passerai un seigneur pourri. Moi j'ai une question. Oui. Il existe combien de relais à l'heure actuelle? Il y en a 5. Non, attends. Parce que je suis perdu en fait dans tous vos relais. Ok, ok. Il y a 5 relais à l'heure actuelle. C'est lequel le meilleur? Alors celui qui a le plus... J'aime bien moi celui de Kazari. Alors voilà, celui-là il a démarré il n'y a pas longtemps, il n'y a eu que 2 youtubeurs pour le moment. C'est moi et les Girac justement. Tu t'as fini de diffuser d'ailleurs il me semble? Ça y est. Voilà. Donc c'est Cléa peu qui, tôt, du coup, qui parce reprend. Que... Ouais. Puis que j'ai retourné. Puis que j'ai dû retourner. Ouais. Donc... Il y a 5 séries, donc Guinness Island qui se passe en Irlande, il y a déjà eu, ça c'est autre chose, il y a eu donc 1, 2 youtubeurs dessus, 3 youtubeurs Caudran, j'ai vu que t'avais fini de diffuser hier, d'ailleurs il faut que je le note, c'est Bubujeu qui reprend la save et qui devrait diffuser bientôt, parce qu'il est en train, il m'a laissé un message cet après-midi me disant qu'il avait commencé à record, et donc du coup ça devrait arriver bientôt sur sa chaîne. Ensuite il y a Blueberry qui a été démarré par Cléa, qui est passé 1, 2, 3, qui en est à son 4ème youtubeur, enfin non 5ème youtubeur en comptant Cléa Sim. Xalorian, je sais pas du tout où est-ce qu'il en est, ça fait 5 jours qu'il est censé diffuser et qu'il n'a pas commencé, je crois qu'il n'a pas encore eu le temps de record, donc j'ai essayé de le relancer, il m'a pas répondu si je me souviens bien, je sais plus, bon il faudra que je le relance dans le week-end. Ensuite, il y a Danemark qui est celle qui a le plus rebondi, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Danemark. Youtubeur. Ouais. 6ème youtubeur. Et un combien d'empires et tout ça. Ouais, ouais. Pour bientôt. Et bienvenue History 5, du coup. Carpath qui en est à son 1, 2, 3, 4ème youtubeur. Voilà. Et enfin, Horselord qui, du coup, en est à son 3ème maintenant avec Léa Sim. Donc 5 séries. 4 qui sont pure vanilla sans DLC, une qui est full DLC. Et voilà. Bah ça va quand même, hein? Ouais, c'est génial. Hein. Ça tombe bien, ouais. Ah, alors il y a Ilona qui demande. Mon perso avec la Horde d'Or. Ouais. Ah non, non. Non, c'est pas entraîné. Oui, je disais la Horde d'Or, ça se passe plutôt bien, là. Ah, à l'écran, oui. Pas trop de problèmes. Ouais, ça va, ouais, on se démerde bien. Ah! Vraie touche. Alors, Ilona me demande, est-ce qu'on s'entraîne pour arriver à jouer sans trop dire de conneries? Bah, au tout début, c'est pas évident quand tu débutes le recording, tu sais, t'as un peu la pression, tu sais pas trop comment les gens vont réagir à ce que tu fais, tu bégayes un peu et tout. Enfin, moi, je sais que mes premières vidéos, quand je les revois, je me dis, mon Dieu, j'ai bien progressé depuis. Et avec le temps, tu arrives à t'habituer un petit peu et au final, ça devient presque naturel, quoi. Tu vois, t'es tellement. Enfin, moi, je suis presque. Je sais pas si. J'ai beaucoup de mal à jouer sans commenter en fait. Oui, même si ça m'arrive pas, aussi. Parce que moi en fait le truc c'est que je ne fais que ça, je fais que record. Je joue quasiment jamais à un jeu sans record. Donc du coup, parce que j'ai pas le temps tout simplement. Pareil. Donc du coup, comme moi je suis tout seul, je peux pas m'empêcher de commenter, tu sais. Ouais, ouais. Tu parles tout seul. C'est la base de ma chaîne en fait. Dire c'est ça. De la merde, c'est la base de ma chaîne. Voilà, dire de la merde, c'est ça. Alors, les gens ils viennent juste pour regarder mes vidéos pour savoir qu'est-ce que j'ai à leur dire. Alors Tamil genre, qui me demande si c'est, c'est les mamans qui m'avaient déclaré la guerre. Ah, vas-y. Alors il y a Tamil qui demande est-ce qu'on se souvient de nos premiers abonnés. Ouais, moi je me souviens. Mais c'est vrai qu'après il y en a, bah des fois ils partent, des fois ils reviennent. Ils reviennent. Ils te passent, ils refont un petit bonjour et tout. Mais c'est vrai que oui, il y en a des fois les premiers, ouais. Il y en a ça date, ouais. Ça fait toujours plaisir. Tes abonnés de la période Minecraft, les Girac. Non, ça n'a aucun abonné. Ne parle pas de cette période. T'as eu une période Minecraft, les Girac? Bah, il fallait bien commencer quelque part.
Non, t'as commencé avec Minecraft. Il fallait bien commencer quelque part, ouais. T'as commencé à Minecraft toi aussi? Comment crois-tu que je suis devenu aussi bon à comment crois-tu que je suis devenu aussi bon à Europa Universalis? C'est grâce à Minecraft. Énorme. Moi, c'était avec Barbarian Invasion que j'ai commencé. Bon, moi, je suis un cas particulier, on va dire. Oui. Déjà, t'as commencé très tard, enfin, l'air ouais. Très tôt. Enfin, oui, très tôt. Très tard. Enfin, ouais. Ouais. Enfin, un peu maintenant, quoi. Mais c'est assez rigolo parce que je viens d'arriver, on se rencontre tous, on commence à faire des événements ensemble, des parties multi, des trucs et tout. C'est. Et je sais pas. Le mec, il arrive, c'est Jésus, quoi. Ouais. Non, mais t'arrives, c'est. Enfin, en tout cas, pour toi, c'est vachement rapide, quoi. Parce que moi, nous, on est tous les apôtres et tout, tu vois, on est là, voilà, on se ramène tous. Je pense. J'ai passé. Moi, le Arumba français qu'il y avait avant. D'Imperator, mais pour moi c'était pas la qualité de la qualité audio. En fait, ta chaîne Jay-Z, on te l'a déjà dit, mais t'es vraiment la rumba français. En ouais, fait, t'as la 1080p, etc. 6 vidéos par jour, constant et tout. C'est vraiment ça. Avec des miniatures et des bruits. Je rentre en fac de droit. Ouais. Voilà, et en fait, moi je rentre en fac de droit et je vais essayer de me lancer dans ça. Mais ta programmation, elle est juste hallucinante, hein, Jay-Z. Je t'ai déjà dit, mais je te le redis, c'est juste hallucinant, quoi. Réussir à tenir un programme comme ça en travaillant à côté, c'est ridicule. Ben ouais, je sais. C'est non, mais c'est surtout comme je disais tout à l'heure. Enfin, on avait un peu posé la question tout à l'heure. C'est vraiment une question d'arriver à avoir ce que j'appelle un pipeline de production qui aujourd'hui c'est vraiment du Fordisme ce que je fais. C'est basé sur l'idée même. C'est du travail à la chaîne. C'est-à-dire que les vidéos que je recorde, elles peuvent aller sur YouTube direct, à moins que ce soit des épisodes spéciaux comme des Jay découvre, où là je mets une intro et une conclusion, ou voire peut-être je vais faire un peu de montage, passer des trucs un peu et tout. Mais sinon, les séries que je fais, c'est des playthroughs, quoi, tu vois, en fait. Et du coup, j'enregistre, poum, ça part direct. Enfin, je te rappelle qu'Audran, une des premiers soirs, on avait enregistré sur Multi. Oui. On était en train de parler en post-record, et puis je te dis, bon, ça y est, c'est diffusé. Quoi? J'ai dit, bah oui, c'est déjà uploadé, c'est déjà préparé, tout est prêt, tout est nickel. Je me rappelle trop ta réaction, ça m'avait fait trop rire. Tu vois, j'étais là à faire un petit montage, une petite intro, tu. Tu mets pas d'intro toi Jay-Z? Non, absolument français, pas non. Tu sais, hop. Bah regarde Arumba, il en met jamais d'intro à Arumba, et je crois qu'il en a même jamais mis sur une seule vidéo. Non mais justement tu passes tes gameplays dans Adobe Premiere ou tu passes non, tu les uploads comme ça? Non, direct upload, il y a même pas besoin de faire du réencodage. T'as combien d'uploads? Je suis en VDSL donc un épisode d'un giga c'est 10 minutes à peu près. Ouais, comme moi alors. Quand je lance mes uploads, je les lance par batch de 26, en général. Si je commence à balancer, alors t'sais, j'ai 7 séries, j'ai enregistré 5 épisodes, 7 séries j'en ai mis 10, 7 séries j'en ai mis 7, tu vois, boum boum boum. Je fais tous les trucs, les liens, les machins, les bidules, les miniatures, ouais, toi... c'est genre travailler à la chaîne, ouais. C'est bam 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 bam. Mais toi, ton niveau, ça, tu tiens juste une semaine. Bah j'ai, non, toi, j'ai, là j'ai 2 semaines d'avance, là, par exemple. Fordisme. Tu tournes combien d'épisodes par jour? Bah là dans la semaine j'ai quasiment rien tourné au final. Mais genre le week-end dernier j'ai enregistré une quinzaine d'épisodes de Witcher 3, une dizaine d'épisodes de Pillars of Eternity, et quand j'enregistre 10 épisodes de Pillars of Eternity ça me tient 2 semaines sur le créneau de 3 heures. 15 épisodes de Witcher 3 ça me tient 3 semaines sur le créneau de 21 heures. Et au final de fil en aiguille bah, j'arrive à avoir, enfin là par exemple, là il me manque 2 épisodes pour dimanche sur Blood Bowl, parce que Blood Bowl c'est un truc que j'ai vraiment du mal à le record à l'avance. J'arrive pas à prendre de l'avance dessus. Mais pour donner un exemple sur Elite, je suis tranquille jusqu'au 14 février, septembre, d'accord ? Sur la série de 23h. Sur Pillars of Eternity, je suis tranquille jusqu'au 31 août. Sur Witcher 3, je suis tranquille jusqu'au 31 août aussi. Et là, en fait, le seul truc qui me manque pour finir la semaine prochaine, pas la semaine qui vient, la semaine d'après, c'est Ordre Teutonique, Common Sense. Et ça, quand je joue à celui-là, je les enregistre par 10, quoi, les épisodes, tellement que, tu sais, c'est Europa Universalis 4, c'est tu commences à jouer à ce jeu, puis il y a une espèce de dilatation temporelle qui fait que tu te retrouves 5 heures plus tard en émergeant, te disant, mon dieu, où suis-je? Comment je m'appelle? Je me rappelle plus. Donc c'est assez particulier. Alors, la vitesse a été réduite. Mais sinon, voilà, pour dire la vérité aux abonnés, je pense, ah pardon, oui, c'est d'être constant. Je suis un robot en réalité, comme je disais tout à l'heure. Hein, en fait. C'est un peu pour ça que y en a qui on dirait trop une émission de radio. Ouais, c'est un peu ça en fait. Hein.
C'est pour ça qu'on a mis Gaming donc, Talking Show ou je sais plus quoi dans le thème Gaming Talk Show. Ça correspond. Quand est-ce que j'ai... Alors il y a trou de balle qui me demande quand est-ce que j'ai commencé. Le 1er février 2015. Non, le 1er février, c'est Max, pas le 4. Ouais, c'est trop récent. Donc, je vois que moi, ça date un peu. Et encore, moi, je suis pas à plaindre parce que j'ai quand même fait des scores. J'ai quand même réussi à percer un peu, on va dire. C'est vrai que. Bon, dès qu'on a dépassé les 1000 abonnés, on a percé quoi. Ouais, c'est ça, ouais. On non, mais en fait, Jay-Z, c'est la diversité. Il propose quand même 6 séries par jour, ce qui est absolument ridicule au niveau français, faut dire ce qui est. Oui, c'est vrai. La qualité. De plus en plus de personnes peuvent regarder des vidéos en 1080p, et c'est de la vraie 1080p, ces vidéos, c'est pas non plus de la merde, hein, faut dire ce qu'il y a, hein. Et le fait d'être constant en 1080p, 6 séries par jour, sur 6 mois, enfin bref, faut le tenir, être entre guillemets, stable dans sa vie, ne pas avoir un métier où tu changes toutes les semaines d'horaire, c'est à mon avis, c'est un petit peu compliqué de s'organiser comme ça, quoi. Je pense que c'est ça, en fait, surtout, je pense que la plupart qui sont étudiants, genre c'est un petit peu compliqué avec les horaires des cours à la fac etc quoi. Tout cas à la fac, ouais, enfin, moi de mon expérience d'étudiant je me dis j'aurais pu commencer beaucoup plus tôt sur YouTube et faire encore plus de séries par jour parce que enfin après ça dépend peut-être un peu de chacun mais je veux dire quand on est étudiant faut dire ce qui est moi personnellement fac, heures, voilà j'avais beaucoup de temps libre tu vois j'avais beaucoup de temps libre où j'avais tendance à buller sérieusement quoi et c'est ce que je vais tenter justement voilà. En droit, et on ira à Stockholm. Ça dépend. Parce qu'après, bon, mais honnêtement, regardez, tu vois, un soir, moi, j'arrive, bon, par exemple, mon planning la semaine, le mardi soir, c'est enregistrement Common Sense Europa Universalis 4. Donc, ça, quand on se fait une saison, une série, bah, ça me couvre le planning de la semaine sur le midi et d'une partie de la semaine d'après. Donc, vu qu'on se voit tous les mardis, bah, c'est régulier. Je sais qu'on va couvrir tout le planning, sauf si à un moment donné, on se rate et il va y avoir un trou. Et dans ce cas-là, il faut que je tourne quelques épisodes sur un autre truc. Pour arriver à boucler. Orthotonique, je te fais une session d'enregistrement, je suis tranquille pour 3 semaines, à peu près. Ouais, mais j'y passe, tu vois, une soirée, je démarre à 21h, je finis à 2h du mat, poum, je suis tranquille pour 3 semaines, et j'y rejoue 3 semaines plus tard. Bon, des fois, du coup, au début de... Quand je reprends, je suis un peu perdu. Qu'est-ce que je faisais déjà, mon Dieu, je m'en rappelle pas. Et sur le week-end, c'est ça, c'est samedi, je fais Pillars of Eternity, dimanche, je fais Witcher 3, en général, et si j'arrive vraiment à... Parce que des fois, autant j'arrive à faire que la semaine qui vient, parce que je suis pas motivé pour jouer. Autant des fois, j'arrive à faire 2 semaines, voire 3 semaines d'avance. Dans ce cas-là, je suis super tranquille, quoi. Voilà, quoi. C'est au final, de fil en aiguille, t'arrives à couvrir le planning et avoir toujours de l'avance. Mais après, faut dire ce qui est. Comme tu dis, j'ai un boulot stable. J'ai un boulot stable. Je me couche, je dors que 6 heures par nuit. Mais ça fait des années que je dors que 6 heures par nuit. Moi, c'est normal pour moi, tu vois. Et après, il faut dire aussi que j'ai pas non plus une vie sociale ultra remplie. Mais ça, c'est aussi parce que j'ai décidé de me consacrer à YouTube parce que j'aimerais vraiment faire quelque chose. C'est mon ambition. Après, peut-être que j'y arriverai pas, je sais pas. Mais en tout cas, je me donne les moyens d'atteindre mon ambition. T'aurais essayé, quoi. Voilà, au moins, je ne regretterai rien si jamais YouTube, ça devait pas marcher. Au moins, j'aurais tout donné, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça. Enfin, je veux dire, par exemple, ma mère, l'autre jour, elle m'a posé comme question. Bon, ça fait 6 mois que t'es célibataire. Maintenant, est-ce que t'as rencontré quelqu'un d'autre? Je lui dis, mais tu crois que j'ai du temps pour une gonzesse dans ma vie en ce moment? Sérieux? Ça va, j'ai passé 4 ans avec la dernière. J'ai envie de profiter, là, maintenant, moi. Je suis lente. Je ne peux pas me marier. Je suis marié à Dieu. Non, mais voilà. J'en ai pas besoin en ce moment. Je veux dire, peut-être que j'en rencontrerai une dans un an. Je m'en fous, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis dans ça. Et moi, j'ai tendance à être comme ça, que quand je me lance dans quelque chose, j'y fais à 100%, quoi. Après, je m'en fous s'il y a certaines séries qui marchent pas, je m'en fous. Du moment que c'est les jeux que j'aime, je le fais, quoi. Je veux dire, Star Wars Rebellion, j'enregistre des vidéos par 20, quoi. Tellement que j'adore ce jeu, j'y passe 5-6 heures dessus sans problème. Moi, je sais que personnellement, YouTube, c'est surtout pas... Surtout qu'à l'heure actuelle, on voit YouTube c'est extrêmement prometteur. Hein. Oui. D'ici les 10 prochaines années, ils ont prévu de doubler leur trafic. YouTube, c'est ridicule, hein, tu vois, ce qu'ils font. Donc, mais ça évolue dans le bon sens. Après voir la plateforme Gaming Live, ou je sais plus trop qu'est-ce que c'est. Là, je sais plus qu'est-ce que c'est. Jay-Z, on en avait parlé. YouTube, de quoi YouTube Gaming, ouais. Ouais, YouTube Gaming, c'est ça? Pour le truc de jeux vidéo. C'est ça, oui, c'est le c'est la nouvelle plateforme de streaming YouTube. Et j'ose espérer, vu qu'on est peut-être parce qu'on a 1000 abonnés, je sais pas, tu vois, peut-être que les conditions pour être partenaire et avoir accès au multiplexage seront un peu plus souples que sur Twitch. En tout cas, je pense qu'ils ont intérêt à le faire. En tout cas, ça fait totalement lié à YouTube, c'est ça.
Et surtout, voilà, ça va être complètement intégré à YouTube, du genre, t'es en live, bah, tes abonnés sur YouTube sont notifiés instantanément, enfin, je veux dire que t'es pas à poster une vidéo. Ça, c'est bien, parce que voilà, du coup, ça serait génial. C'est chiant avec Twitch. Ils vont écraser, moi, je pense honnêtement qu'ils vont écraser Twitch s'ils mettent les moyens, surtout que c'est Google, c'est pas n'importe qui, tu vois, donc ça va être hallucinant. Et d'un autre côté, il y aura grosse concurrence entre Twitch, parce que Twitch est un petit peu le monopole à l'heure actuelle, et je pense que YouTube slash Google essaie un petit peu d'enrayer le truc. Donc Amazon va devoir réinvestir, donc ça va faire de la qualité, je pense, au niveau des diffuseurs. De quoi? Attends, excuse-moi, j'étais en train de répondre sur le chat, tu disais. Pas de soucis. Non, c'est juste que ça va créer une plus grosse concurrence entre Twitch et YouTube. C'est vrai qu'il y a d'autres services type Amazon, et je pense que c'est vraiment positif pour le consommateur. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est... Non, moi je pense que ça va être génial, YouTube Gaming. J'ai vraiment, vraiment hâte. Ah oui, Google devient Alphabet, comme dit Tamil. C'est surtout à cause de la bourse de New York, ça. Non, YouTube Gaming, je pense que, mais franchement, ils nous ont annoncé ça il y a 2 mois, ils nous ont dit que c'est pour l'été, tu vois, on est déjà mi-août, j'attends moi, merde quoi. Allez, sortez-nous ça. Mais je te l'ai déjà dit, Silicon Valley sont tout le temps en été, donc... Ah oui, voilà, ouais, donc ça sera dans un an. C'est clair. Ouais. Alors attends, est-ce qu'il y a eu un peu des questions sur le chat? Alors on parle de la taille que font les gens. Moi je fais 1m84. Ah oui, tu es grand. Oui. 1m83. Mon dieu. Ah voilà. Ah, moi 1m80. Putain, on est tous grands. On est tous des. Et voyez les mecs, on est des grands youtubeurs. Moi c'était 1m70. Alors, historique qui demande. Ah bon, il y a tout le monde qui. Ah non, j'ai rien dit. Historique qui demande des conseils pour les nouveaux joueurs Europa Universalis 4 ou Crusader King 2. Le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est aller voir des vidéos sur YouTube. Alors je vais pas avoir l'audace de vous proposer d'aller voir les miennes. Il y en a d'autres qui en ont fait des bien meilleurs. J'ai quelques guides, donc bon, vous pouvez aller jeter un œil. Mais moi personnellement, j'ai réussi à me mettre à ces jeux grâce à des vidéos sur YouTube. Sans les vidéos sur YouTube, j'y serais jamais arrivé. Parce que c'est des trucs où s'il faut lire un pavé de texte pour comprendre comment il faut jouer, moi j'y arrive pas quoi. Je veux dire, je préfère me caler de voilà et. Bon après moi personnellement les chaînes que j'aurais à conseiller c'est plus des chaînes américaines, donc si t'es à l'aise avec l'anglais, History, je peux te passer quelques liens de chaînes super, mais après en termes de français, bah c'est un peu nous qui faisons pas mal de contenu sur ce sujet, donc je te conseille d'aller voir la chaîne de Pokis, de Légirac, de Caudran, de Tibbs, de Xalorian. Xalorian il a fait une super série Europa Universalis 4, il a fait une super série tuto pour ses abonnés qui ne connaissaient pas le jeu. Et franchement, je vous conseille d'aller la voir. Elle est géniale. Dedans, il y a tout ce qu'il ne faut pas faire. Non, mais c'est vrai en plus. Le mec, il fait un tuto. Bon, alors, je vais vous montrer comment on fait la guerre. 710. Je vais vous montrer comment on fait la guerre. Et il déclare la guerre à la Savoie avec la Suisse. Et là, il se rend compte que le mec a genre le double de ses troupes. Et il fait « Oh merde, je suis dans la merde. » Et il perd et tout. Je t'ai dit, ok, donc ça, c'est ce qu'il faut pas faire, j'ai compris. Non, mais c'est rigolo, quoi. Je dis pas ça méchamment du tout. Mais c'était vraiment... Je l'ai regardé en plus, sa série, elle est marrante, quoi, à regarder au final. Alors, il demande... Moloch qui demande... C'est vrai que moi, je regarde jamais études. Les... Moi, j'en fais plus. Bah, études, moi, c'est études de histoire, sciences politiques. Mais j'ai déjà mis dans le chat, de toute façon. Moi, c'est biologie. Faculté de droit. Tu fais études de bio. En septembre. Ouais, moi, je suis bio, ouais. Dans les parasites. Ah ouais. Ouais. T'es en quoi? T'es en quel marrant. Niveau? Enfin, marrant. Je sais pas du tout, mais... Deuxième année. Ouais, moi aussi, deuxième année. Je passe en 3. C'est la deuxième année. On va essayer de monter la vitesse un peu. En fait, je suis le plus jeune ici, merde. T'as quel âge, toi, Pokiz? Mais j'ai 17 ans, moi, purée. Mmh. Ah ouais, effectivement. C'est-à-dire que je suis plus âgé. T'as une voix qui fait plus âgé. T'as une voix qui fait plus âgé, ouais. Ouais. Bon, Caudran, t'as quel âge, toi? T'as 15 ans, c'est ça, non? Ouais, bientôt, moi, j'ai le mois prochain. 12 ans, 1m50. Bientôt le brevet. Non, 18 ans, bientôt 19, en novembre. D'accord. Et les Girac? Moi, pas 20. 20? J'ai mes 20. Non, j'ai mes 20 en avril, ouais. Ah, donc c'est... Ah, donc je suis pas le plus jeune. Je suis vieux, mon dieu, je suis vieux. À son âge. On en a un 44, j'ai des cheveux blancs et tout. Chat, hein.
Ouais, ouais, je sais, j'en ai qui me suivent, ouais. Moi, j'en ai eu un aussi hier. Je l'ai arraché, mais il paraît qu'il faut pas, parce qu'après, il y en a 10 qui repoussent. Après, il y en a, ils ont les cheveux grisonnants dès la vingtaine. Hein. C'est pas forcément... Moi, j'en avais un peu, ouais. Bah, Nicolas, tu demandes qu'on rende Toulouse indépendante dans la série Common Sense. On verra peut-être pour plus tard, parce qu'on a déjà enregistré tout ça, et je veux pas te spoiler, mais on ne l'a pas fait. C'est un mini... c'est un non-spoil, on va dire. On n'y a pas pensé, non, mais ça peut être intéressant. Alors, ah oui, Historique, il demande des conseils pour des nouveaux YouTubeurs. Alors moi, les conseils que j'aurais à donner pour des gens qui veulent se lancer sur YouTube... Salut Dark Templar, comment ça va? Alors je vous laisse un petit message sur TS juste pour que... Deux secondes. Attendez. Okay. C'est vrai que si j'étais bâtard, je pourrais annexer la Crimée, voilà. Mais ça virait le mec, donc non, je suis pas un crevard non plus. Comment ça, Dark Templar, tu peux changer la qualité sur le live? Mon dieu. Ah ouais, on est en partenaire. Enfin, on est en partenaire. Je sais pas si on est en partenaire, c'est mais... c'est partenaire au-delà de 80, au-delà de 80, Juventus. Oh, ça. Génial. Et après, pour la soirée. C'est 30. Oh, énorme. Et quoi? Ah, c'est 30, waouh, ok. C'est 30? Bah, moi, je suis régulièrement au-delà de 30. Je suis régulièrement au-delà de 30, il me semblait pas que j'avais ça. Hein. Oh putain. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien, merci. Pourquoi je... Vous avez vu, je vous laissais un petit message sur TS. Donc, on disait quoi avant que je me fasse. Ouais. Donc, les conseils pour les nouveaux YouTubeurs. Pourquoi? Donc, les conseils pour les nouveaux YouTubeurs, c'est. Première chose. Avoir un audio nickel. Il faut avoir un audio nickel. Donc, soit vous avez un micro un peu limite et vous vous débrouillez en faisant du traitement audio dessus. Donc, ça demande quand même d'apprendre vraiment le traitement audio. Ça peut être un peu compliqué. Soit d'investir pour avoir un bon micro dès le début. Et même malgré le micro, vous avez besoin d'avoir apprendre à faire du traitement audio dessus. Donc, c'est pas évident. Avoir une bonne carte graphique, c'est quasiment obligatoire pour faire de la bonne qualité. Si vraiment vous avez envie de faire une chaîne YouTube qui va attirer des gens, il faut que vous ayez une qualité top niveau, il faut que vous ayez un audio top niveau, et à partir de là, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi comme contenu. Voilà. C'est vraiment, si vous avez pas ces deux éléments-là, si vous avez une qualité d'image absolument à chier, ou un audio insupportable, genre avec un bruit de fond de ventilateur... et qu'on vous entend à moitié, que vous êtes complètement couvert par le son du jeu, c'est pas la peine, arrêtez. Il y a peut-être quelques personnes qui vont vous suivre, mais genre, ça ira jamais très très loin, quoi. On entend une petite voix. Avec l'aéroport juste à côté, c'est... Non, ça c'est pas possible, ça. Hein. C'est ça. En fait, le but, c'est pas d'être meilleur que les autres, mais c'est d'être irréprochable, histoire que les gens ne se lassent pas. Ne t'insulte pas et aille voir quelqu'un d'autre, en fait, c'est ça. Après, t'insulte pas. On m'a jamais insulté. Écoute, il y en a beaucoup. Moi, il y en a un certain nombre. Ah ouais? Genre, sur Sick et 2, c'est ça que j'ai arrêté de faire toutes mes séries. Il y en avait un. J'ai posté un épisode. Pourtant, j'ai bien écrit c'est apprenez-moi, donnez-moi des conseils, etc. dans la description et tout. Je jouais genre un petit pays en Suède. Ouais. Le type m'a insulté, bon, je l'ai banni, il m'a insulté, et il m'a dit « Mais t'es complètement con, pourquoi tu n'as pas fait ça? Fallait faire ça, tu vois pas, la garnison était si faible en 1440. » Bon, j'étais là « Waouh. » Donc, ouais, la potence, quoi. Allez, donc, c'est ce genre de personne. Un coup de ban. Ah, bah, je l'ai banni directement. Hein. Oh bah oui, faut pas s'emmerder, hein, non, de toute façon. Pas chercher. Attends, dommage, il a mis une blague. Ah bah c'est vrai que des fois faut quand même être bien accroché hein, sur YouTube. Bah, j'ai eu deux fois des commentaires vraiment très agaçants. Quel est le sport préféré des insectes, le criquet? Ah ah ah, très drôle. Bon, excusez-moi, je vous ai coupé. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui dit « Allez, lis mon message, faut que j'aille voir. » Alors il y a Exos qui demande « Pourquoi pas de guerre JCJ dans vos parties multi ?» On y a répondu tout à l'heure. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'est que pour le moment sur le multi Common Sense, on a que des intérêts convergents entre nous.
J'ai aucune raison d'attaquer la Castille, à moins qu'elle aille coloniser l'Amérique du Nord, ce qu'elle ne fait pas. J'ai aucune raison d'attaquer le Tiberians avec sa papauté, parce qu'elle est tellement loin de moi que j'ai rien à récupérer là-bas. Et Xalorian, il est au nord de l'Allemagne, moi en tant qu'Angleterre, ça me... Je veux dire, du moment que je peux m'étendre uniquement sur mon nœud de commerce, j'ai aucun intérêt à partir plus en avant dans le Saint-Empire. Donc à partir de là... Ah tiens, on s'est pris une déclaration de guerre de la Moscovie. Ouais, à partir de là, je veux dire, j'ai aucun intérêt à se faire la guerre, quoi, tout simplement. Après, en même temps, on a choisi ces pays-là parce qu'on n'avait pas non plus spécialement envie de se faire une partie compétitive, on avait plus envie de se faire un let's play où on s'amusait ensemble que les uns contre les autres, quoi. Mais après, on pourra voir, peut-être, ouais, parce ça, que ouais. pour le trip, on verra, est-ce qu'on va pas faire un peu de JCJ, on verra, je veux dire, c'est pas une priorité pour nous, quoi, mais ça peut être intéressant, quoi. Comment on change la couleur d'un message? Ça, c'est pas toi qui le choisis, c'est Twitch, la couleur de ton truc. Ça me fait penser une fois sur... Ah oui, la biscrotte. Il y avait un mec qui était venu sur mon live Elite et qui arrêtait pas... il me disait, oui, est-ce que tu peux m'ajouter dans tes contacts sur Elite? Je lui dis, je te connais pas. Et puis moi, je fais surtout du let's play en solo, quoi. Sur Elite, je suis à 1000 années-lumière du premier joueur, je fais de l'exploration. Je cherche pas spécialement à faire du gameplay à plusieurs, mais peut-être que plus tard, j'aurais pu en faire. Elite, c'est un jeu d'exploration spatiale, ou de bataille, enfin de simulation spatiale. Et je connais pas du tout. Et puis je vois une demande d'amis, donc je me dis tiens, ça doit être lui, bon allez, je suis sympa, je vais l'accepter, tu vois. Et là le mec il commence à écrire dans le chat, ouais j'aurais été à ta place, j'aurais pas fait ça, c'était pas moi, ça aurait pu être n'importe qui et tout. Je dis attends, il y a 5 minutes tu me demandes, alors que je te connais ni d'Ève ni d'Adam, de t'ajouter, et après quand j'ajoute quelqu'un que je connais ni d'Ève ni d'Adam, tu m'engueules parce que c'est pas ce que j'aurais dû faire. Très logique, tu vois. Donc déjà, il a commencé à un peu peser sur mon humeur. Donc juste après, il est revenu à la charge en me disant, ouais, t'as quelle portée de truc? Ah ben non, faut avoir plus pour pouvoir explorer. Ben non, moi je suis en train d'aller à Orion avec mes 25 de portée de jump. J'arrive à arriver à Orion. J'ai pas besoin de me prendre la tête à avoir le meilleur équipement possible. Et puis il arrêtait pas comme ça. Au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, on va passer le live à argumenter sur ce que je fais mal, ou est-ce qu'on peut jouer tranquille. Puis après, je sais plus, il a marqué 2-3 conneries et puis il a plus parlé de la soirée. Voilà quoi, les mecs, c'est bon quoi, c'est bon, c'est 2h du matin, 3h du matin, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là juste pour se détendre, discuter entre nous quoi, tu vois. C'était pas du tout ça quoi. Bref. Voilà, donc lui il m'avait un peu gonflé. Quelle chaîne vous appréciez? Je le sens pas à la guerre contre la Moscovie. Ouais, ça, enfin déjà là il y a une bataille qui a l'air de bien placée, mais après... Si t'arrives à choper peut-être le stack de 6-7 en haut là, mais ouais, j'ai l'impression qu'ils ont une meilleure tech que nous. Alors attends, ouais. J'ai plusieurs questions là qui m'arrivent. Faire un let's play narratif, je sais pas, il faut que j'étudie la question. Bonsoir à tous les gens qui ont débarqué, d'ailleurs il y a du monde qui arrive. On est remonté à 63. Alors Légirac, vas-tu faire du Europa Universalis 4 sur ta chaîne? Déjà, première question. On l'a déjà fait, Légirac et moi. Ouais, mais bon, je sais pas si j'avais terminé. Je sais pas, mais peut-être que je ferai mes... C'était la faute des devs, c'était la faute d'Europa Universalis, légèrement. Je ferai mes plus en vidéo à peut-être accélérer ou un truc, tu sais, enfin couper quoi. Mais pas une vraie série quoi. Du coup, je joue beaucoup en fait, mais c'est en soirée et tout, j'ai pas spécialement envie d'enregistrer ou quoi. Donc bon. Je suis un peu lassé des séries conventionnelles. Conventionnelles, voilà. Ouais. Et si on fait un... comment ça s'appelle? Si on fait un multi à plusieurs, oui, c'est bon. C'est... Ouais, un multi ou même un relais? Ça peut t'intéresser? Oui, aussi, sur cette série, ça peut m'intéresser, ouais. Mais voilà. Mais plus le blabla habituel, tout fait un relais, les 60 épisodes. Alors, Nicolosès me demandait, Jayce, que t'apporte ton partenariat et un jeu? Alors... Ils doivent me passer de temps en temps des clés, par exemple sur Blood Bowl 2, tu vois, ce genre de choses. Bon, pour l'instant, ça s'est pas encore fait parce que ben, Blood Bowl 2, on l'attendait en mai, puis finalement ça a été repoussé. Après, j'ai accès à un TS grâce à eux, donc là pour ce soir, on est sur le TS de J'ai un jeu, justement. Donc là, franchement, ça c'est super pratique, parce qu'un serveur TS, ça peut coûter assez cher. Donc en avoir accès à un gratuitement comme ça, ben, je vais le réutiliser. Surtout que j'ai un espace à moi que je peux gérer comme je veux, je peux créer des canaux comme je veux et tout. Donc ça, c'est vraiment parfait pour moi. Après,
Bon, de temps en temps, je me fournis chez eux, ils ont des jeux pas très chers, quoi, c'est intéressant. Et puis voilà, c'est l'occasion. Mais c'est grâce à j'ai un jeu que j'ai rencontré Learn to Play et il y a d'autres encore youtubeurs comme ça grâce à ça que je peux rencontrer. Donc bon, c'est moi ça me coûte pas grand chose parce que j'ai juste un lien à mettre de temps en temps. J'ai pas forcément à leur faire de la pub active. Ils ne m'imposent aucune contrainte. C'est vraiment très très libre. Même s'ils me passent une clé de jeu, je suis pas obligé d'en dire du bien ou ce que vous voulez quoi. Ce genre de choses c'est pas du tout le cas. Et puis en retour, bah de temps en temps, j'ai quelques petits trucs bonus, donc c'est vraiment un échange de bons procédés, quoi, tout simplement. Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez des partenariats, vous, de ce genre-là G2A, je crois, ou Instant Gaming? Non. T'as enlevé? Non. Alors, quelle chaîne vous appréciez et que vous pourriez nous conseiller en dehors du gaming? Alors moi, il y a une chaîne que je vous conseille en dehors du gaming, c'est le Fossoyeur de Films. Il est génial. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est vrai. Non, du tout. Après, c'est vrai que sa façon de parler, des fois, ça peut être un peu, agaçant à la fin, mais. Sinon, globalement, c'est bien, ouais. Ouais, il est. Enfin, moi, vraiment, je. Non, c'est BF versus JF. Qui ça? BF versus JF. VS JF. Ah, je connais pas. On voit un couple qui vlog et je les regarde depuis plus d'un an. Mm-hmm. Il y a aussi Roman Atwood. Je parle qu'au niveau des vlogs, ils ont tous des chaînes où ils font des pranks, parce que vous savez ce que c'est, font des pranks, et à côté ils ont des vlogs blagues. Où ils disent comment est-ce qu'ils ont fait les pranks, où ils disent ce d'accord. qu'ils font... C'est les Anglais voilà, c'est ça, donc dans la rue, entre eux et tout. D'accord. Oui, c'est les Anglais. Ok. Moi, ce que j'aime bien, alors il y a une chaîne qui est un petit peu délire que j'aime bien, c'est French Food Porn. Je sais pas si vous connaissez. Complètement délire. Il y a le mec qui fait des recettes de cuisine, mais un peu chaud, quoi, presque limite, interdit au moins de 18, quoi. Et c'est juste énorme, c'est trop drôle à chaque fois, quoi. Et il fait des blagues, je te conseille d'aller jeter un œil, French Food Porn, c'est énorme. Est-ce que je fais le live sur Elite Dangerous? Non, demain soir on le sera, après Karma Space Program, comme d'habitude. Alors, il y a Orc Spectral qui demande « C'est moi ou tu reçois les messages plus tard quand on répond dans le live ?» Donc déjà, en fait, il y a à peu près une minute d'écart entre le moment où vous écrivez et... Enfin, nous, on voit vos messages dans le chat en direct. Sauf que on répond non, et en fait, pas, vous, pas vous voyez... Non, mais dans le chat que tu as, c'est en direct. Et après, par contre, eux, quand ils voient le stream, il y a 30 secondes à une minute d'écart. Ça dépend après du truc. Donc c'est en fait je stream depuis chez moi, le temps que ça aille au serveur Twitch, que Twitch processe la vidéo, il y a un temps de buffer, puis je veux dire, serveur Twitch, ils ont des centaines de personnes qui streament en même temps, donc le temps réel pur et dur, c'est impossible techniquement. Je veux dire, c'est déjà très difficile à réaliser, si en plus, ils ont pas l'infrastructure pour faire du véritable temps réel, c'est impossible, il y a toute une histoire de buffering, ce genre de choses. Et c'est horrible. Ouais, on est en train de se faire un peu de conseils. Les chaînes, ils n'y arrivent pas, donc... En fait, ils ont une meilleure technologie que nous, quoi. Et en plus de ça, Orc Spectral, après, je veux dire, le temps qu'on réponde à un truc et tout, je remonte un peu dans le chat pour voir un peu ce qui s'est dit, et je réponds à ce moment-là, quoi, tu vois, donc c'est aussi normal qu'il y ait un décalage comme ça, quoi. Avec plaisir, Nicolosès nous remercie d'avoir répondu à sa question. Négligence bénigne. Oh, plus 11% de commerce local, modificateur local d'impôt ou effectif, tu préfères quoi? Caudran? Hein? Peu importe, vas-y. Impôt, effectif, commerce ouais. ou effectif? Allez, va pour les effectifs. Effectif. Si ça bouge, engagez-les. Alors, il y a Simax qui demande de faire passer un message, apparemment. Ils sont en guerre, please. Le Japon. Ah, ils jouent le Japon, Maxime. C'est mort. Oh, c'est foutu. Je n'ai que ça à dire. Vous faites défoncer? Ah, je vous vois même pas sur le live, non plus. Ouais. Moi, je peux presque te voir. Bienvenue à Owind. Ouais, Owind qui était mon allié autrichien. Oui. Tu joues avec lui Alors, Lévirac, vas-tu faire une série sur CK2 sur la France avec l'Inde comme tu as déjà fait sur ta chaîne? France ou Inde? Faut savoir. J'ai pas compris. On dirait une série sur CK2 sur la France et avec l'Inde.
Alors peut-être qu'il parle de deux séries en fait, une avec l'Inde et une avec la France. Oui, bon, la France j'ai déjà fait il y a longtemps, donc plus trop d'intérêt. Après l'Inde, oui peut-être, mais j'ai fait aussi, donc peut-être, ouais, peut-être que avec les bouddhistes, à voir, pas sûr. Mais je préfère les séries relais pour l'instant. D'ailleurs, on demande, Caudran, quelle série relais tu aimerais prendre ensuite ? Sur le... C'est aucune idée. Qui est disponible ? Kazari. Mais il a pas de DLC, il a pas de DLC, mais... il peut pas. Ah, ouais. Très bien. Ouais, moi j'ai pas de DLC. Sans doute le Danemark, mais pour le moment, c'est vrai que c'est pas vraiment ce qui me préoccupe le plus. Là, je veux vraiment finir mes séries qui traînent un peu, quoi. Genre Attila, Europa, tout ça, j'aimerais bien virer tout ça avant la rentrée, quoi. Bah, y a beaucoup de jeux qui vont arriver, donc c'est assez difficile de s'engager sur démarrer des nouvelles séries. Bon, c'est ça qui m'inquiète un peu, j'attends de voir surtout, par exemple, Pillars of Eternity, je pense que je vais la finir en septembre. Du coup, je sais pas du tout encore qu'est-ce qui va suivre. Je pense que peut-être que je vais faire des petites séries sur des petits jeux pour arriver en fait à maintenir le créneau pour un autre gros jeu qui va sortir bientôt. Voilà, il y a quand même pas mal de sorties sur la fin de l'année, et même si je fais 6 vidéos par jour, c'est pas forcément évident de caser tout le temps les bonnes séries au bon moment, quoi, tu vois. Putain, t'as vu comment on s'en prend, là ? Pourtant, on résiste, hein, mais c'est impossible, hein. Alors, on a les mêmes tactiques, on a le même moral, on a les mêmes disciplines... ils ont beaucoup plus de cavalerie. Non, il n'y a pas de problème de tech, on a la même tactique militaire. Non, non, on n'a pas la même. Si. Il y avait 0,7 non, de deux côtés. Ils sont 4. Oui, mais ils sont 4 en technologie militaire. On est 3. Ouais, donc ils ont 0,25 de plus. C'est bizarre que c'était pas montré dans le truc. Un peu plus de morale normalement aussi, mais pourtant sur la bataille que je regardais, là, on avait les mêmes valeurs. Alors, à moins qu'on ait un allié dans le tas. Non, c'est la Crimée. La Crimée a quoi ? La Crimée est tech 4. Donc c'était les infos de la Crimée qu'on voyait en fait. Mais du coup, ouais. On a reçu une donation de l'Angleterre, merci. Si on regarde, voyons voir. Nos archers orientaux sont pas trop mal, mais pas géniaux. Et notre cavalerie, par contre, est assez puissante en théorie. Donc ça peut valoir le coup de mettre l'anglais plus de bien. Cavalerie. Mais après, ouais, là, le stack de 21, je sais pas trop ce qu'on peut faire. Quoi. Bah, c'est ça le problème, quoi. Ouais. Esti, c'est plus un joueur humain. Non, j'ai jamais testé. La Savoie n'est plus un joueur humain. Arrête. Et puis là, en plus, on est en train de s'enfermer dans la péninsule crimienne. Ouais. C'est pas bon, quoi. Il y a beaucoup qui ont des cours. Hein. On est que 4 en Europe. Enfin, je vous considère en Europe. Hein, c'est tout sur moi, face au Japon. Ah. Bon, enfoiré. Et puis, Win qui rage, le pauvre. Oui, je connais Sargas 94, mais enfin, je le connais, j'ai déjà vu sa chaîne. Il est très isolationniste. Ah ouais, il est très isolationniste, ouais, je sais. Mais il est français, Sargas ? Oui, oui. Ouais, ok. Parce que j'avais un doute. Mais il a jamais cherché à faire du multi. D'accord, c'est dommage. Oui, c'est dommage, parce que du coup, il avait du potentiel. Hein. Ah, des régiments. Ah, on a des subsides de la Hollande, merci. C'est pratique en fait d'être en live, du coup les gens viennent nous aider, quoi. Parce qu'il y a quoi ? Il y a Moscovie, Pskov et Tver, c'est ses vassaux. Le problème c'est que là on voit pas... C'est vrai que la Moscovie c'est chaud, hein. Il y a le Ryazan qui se défend pas mal au nord là, mais il y a un gros paquet de vin là, c'est assez hard. Qu'est-ce qu'ils ont à la Moscovie ? Ils ont plus d'effectifs, ils ont que 21 000 troupes. 5 régiments de mercenaires. Donc si on arrivait à leur faire mal. Non, mais là franchement vu comment m'en occuper, ça reste quand même tendu. Achète un peu plus de cavalerie quitte à t'enfoncer drastiquement dans la dette. C'est ce que t'es en train de faire, parfait. Bon après l'avantage c'est que suffit de reprendre Saratov et après le reste on peut le reprendre très vite. Hein. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, déjà tu prends Saratov, tout autour ça pète. Ouais. Et ouais, ça pète automatiquement en plus. J'aimerais bien attendre aussi que notre technologie militaire s'améliore. Il n'y en a pas pour longtemps. Alors, Exos demande la liste des séries relais sur YouTube. Je vais t'envoyer le lien du Reddit où toutes ces informations-là sont présentes.
Hop. Ah, d'ailleurs, j'ai eu du coup qui a laissé un commentaire je sur Reddit. Le Danemark, c'est ça. Ça arrive une fois tous les 3 mois que j'ai un commentaire sur Reddit, donc je suis content. C'est vrai que c'est... je reprends le Danemark, c'est pas cool niveau FR. C'est vrai que Reddit, pourtant, il y a une mine d'informations. Ah, la Crimée, téméraire, là. Ouais, c'était trop... La Moscovie s'est trop bien développée. Faut que j'ai très souvent des questions. Sur le live. Ouais, il y a encore 50 personnes. Ouais. On pose juste une question là. Il y a pas de vidéo de prévu avec Epic Teaching of the History, même si je le connais. Pour le moment, il y a rien de prévu parce que c'est vrai qu'il est pas mal occupé aussi. Puis moi, de mon côté, j'aimerais bien finir mes séries aussi. Donc sans doute un jour, il y aura. Mais pour le moment, non, rien n'est prévu. Et oui, j'ai changé ma bannière, oui, sur YouTube. Ah, j'ai pas vu ça. On va voir comment. Ah oui, t'as rajouté. Ah oui, t'as changé les deux images de fond, d'accord. Sobre, mais efficace. Bon. La stratégie sans concession. C'est ce qu'on est en train d'appliquer actuellement. Et il se prend 7% d'attrition quand même, le Moscovite là. Ah bah oui. On est arrivé à égalité. 9,1%. Militaire. Ah nickel. Ah, 0. Ah, le 8, il fait plaisir. Tu vois, là, ça chie déjà un peu plus pour sa tronche, là. Pas très mal, n'empêche de se jeter comme ça. Oh, le 8 en phase de choc, il leur a fait mal. Hein. Oh, le 8 en phase de choc, il fait mal. Oh, putain, le 0 en face. C'est les phases de feu en début de partie, là, ça sert absolument à rien. Hein. C'est pas là que vous faites des dégâts. Hein. Début du jeu, vaut mieux avoir un général 0-4 qu'un 4-0. Hein. Bonne nuit à ceux qui sont partis avec le feu qui fait tout le dégât quoi. Elkington, tu as toutes les infos sur les séries relais dans le lien Reddit que j'ai mis là dans le chat. Voilà, problème. Yeah réglé. Putain. Contre-attaque. C'est eux qui ont perdu 17 000 hommes là. Ça fait mal. Hein. Oui, c'est eux, oui. Allez, massacre-les tous. Ah, y'a Win qui veut revenir pour jouer l'Autriche. Ah, le stack wipe! Je sais pas si je poursuis ou si je prends Saratov. Il suffit que je. Ah, la biscrotte, d'accord. Donc, si multiplateforme fonctionne, tant mieux. Mais bon, fais attention. Non, j'ai vu tes messages, Amir. Je. Pas intérêt à les lire. Tu veux pas consolider les troupes un peu là? Shift consolidé, boum. Ça va être mieux là. Ouais, vas-y, hein. Ouais. Fais, hein, te gêne pas. Je me gêne pas. Ah non, mais t'as fait une consolidation normale. Moi, ce que je fais, c'est une shift consolidation. Ça permet d'éviter d'avoir les mecs qui meurent. Ah, j'ai rien fait. Hein. Ah, bah, y a eu un truc. Rien touché. Bizarre. D'accord. Ah, mais non, c'était le renforcement avec le tic. Il y a plein de trucs qui sont. Oui, c'est le renforcement. Bah, vas-y, en fais. Hein. C'est fait, c'est fait. Bon, on sent des tas morts, mais ça c'est pas grave, on réparera ça plus tard. Le problème Nerodark, c'est que si on veut que des gens rejoignent à nouveau la partie, il faut la réhéberger. Donc si jamais vraiment c'est ce que vous voulez, on peut sauvegarder la partie et la réhéberger. Mais je sais pas. Hein. Bon, de toute façon, on est plus sur la fin du live que ouais, le on début, est plus sur la fin que sur le début, donc je sais pas si c'est vraiment très intéressant. Au prochain live, de toute façon, comme je disais, je vais la sauvegarder la partie. Et prochain live, on la continue. Hein. Bon, du coup, pas l'air d'y avoir vraiment d'autres questions. Ou alors je les ai ratées. Non. Bah, tu vois, c'est bon. Contre-attaque. Parfait. Bah alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé du territoire. Ouais, on est en train de les défoncer. Qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée? Que ça soit les gens sur le chat, que ça soit vous qui êtes sur l'audio. Camarades. Alors, il y en a qui comprennent toujours pas pourquoi on est deux sur la horde de bord. Ah. Je te laisse expliquer. Alors, j'explique pourquoi on est deux sur la horde de bord. Donc, au premier live super show, le problème, c'est que, bon, moi, vu que je stream,
que je m'occupe de la FAQ, que je m'occupe des gens qui viennent en guest, que je dois animer la soirée, tout ce genre de choses. Je suis tout le temps sur mon navigateur web, sur le chat Twitch, sur les trucs à droite à gauche, et bien entendu, je peux pas jouer. Je veux dire, je peux pas me concentrer en même temps dans la partie pour m'occuper de la partie. Donc sur le premier Super Show, on s'était mis ensemble avec Tibbs, et moi j'espérais en fait pouvoir jouer une grosse partie de la soirée avec lui, et m'occuper de ce genre de choses à côté, et je pensais que ça prendrait pas beaucoup de temps. Au final, ça m'avait pris toute la soirée, j'avais absolument plus rien faire sur la partie Europa, je l'avais à peine regardé du coin de l'œil. Donc du coup, pour ce soir, vu que je sais que ça se passe comme ça, bah je me mets, ce soir c'était avec Caudran, parce que Tibbs allait partir un peu plus tôt que Caudran, et du coup, bah comme ça c'est un plaisir de jouer avec lui, et du coup, le principe c'était donc de mettre ça, mais je m'étais rendu compte que sur le premier Super Show, bah du coup à l'écran il se passe pas grand chose, comme là maintenant ce soir en fin de soirée, on peut pas voir un peu ce que font les autres joueurs à cause de la Terra Incognita, ce genre de choses. Donc du coup c'est Exalorian qui streamait en mode observateur, comme ça il pouvait passer d'un pays à un autre et voir ce qui se passait, et je pense que d'ailleurs ça s'est très bien passé et que c'était vraiment sympa. Donc du coup la prochaine fois je pense qu'on refera la même chose sur le même format, et voilà quoi. Après, le truc, c'est vrai que le rythme est un peu lent. Après, c'est Europa Universalis 4, ouais, c'est comme ça. Ça, c'est parce qu'on est 30, on est 30 joueurs, quoi, tu vois, c'est normal. Hein. On peut peut-être essayer de monter à vitesse 3, hein, mais. À 12, ça fait beaucoup. Bon, je pense que ça va tenir. Des désirs de réforme. Oui, Eurobenzil, Légirac est dans la partie, il est même sur l'audio. Manifeste-toi, Légirac. Il y a des gens qui te demandent. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Les fans, venez. Wide Légirac appears. Ouais. On demande, c'est quand le multi-common sense, parce que moi, les Vikings en Amérique, je ne regarde pas. Le multi-common sense reprend lundi prochain, parce qu'on a pu record mardi dernier. Et vu que j'avais des vidéos d'avance déjà uploadées, déjà planifiées, on s'est dit, bon, on va diffuser dès lundi prochain, comme ça nous permettra de prendre de l'avance et de ne pas être dans l'urgence à devoir record pour deux jours après, quoi. Donc ça reprend lundi, pour une semaine et demie on a des vidéos, et vu qu'on va se voir mardi soir pour record, ben on devrait arriver à prendre de l'avance. Alors History 5 demande, est-ce qu'on a l'idée de faire une chaîne secondaire? Alors moi j'ai déjà une chaîne secondaire, en fait, qui est assez discrète pour le moment. C'est le coding. C'est Jace Coding, où je fais de la programmation informatique. Est-ce que vous avez des idées de chaîne secondaire? Moi j'ai une chaîne secrète. C'est bon, des dislikes partout. C'est quoi? Vas-y, dis. T'as entendu? Ah non, je dis pas, non, je suis pas envie comme ça. Ah, non, une chaîne dislike, tu sais. En fait, si t'as des dislikes, c'est les Légirac avec son compte numéro 2. D'accord. Non, moi j'ai pas de. Enfin, j'ai pas trop d'intérêt, moi. Mais ça reste dans le domaine de la stratégie, puis. Oui, ouais, non, j'ai pas trop d'intérêt, quoi. Je veux dire, si je veux changer de jeu, bah je change et voilà, quoi. Pas à mon niveau, du moins, pas à mon niveau. Je vois pas trop l'intérêt. Merci, à mon niveau. Moi, je faisais du contenu très diversifié. Oui, peut-être, mais là. Moi, bah, ça reste dans le même domaine, quoi. Ouais, du moment que ça reste du gaming, pour moi, il faut que ça soit sur la même chaîne. Dire, enfin, moi après j'ai eu cette approche là dès le début. Pas dit au début, oui, je suis le youtubeur paradoxe, je fais que du paradoxe, et du coup après si je faisais autre chose je me serais un peu trahi. Non, là c'est je fais de tout dès le début, comme ça au moins ça annonce la couleur, ça peut évoluer. Voilà, après le coding, après, par c'est contre ma chaîne, merde, hein, voilà. Oui, tout à fait. Après c'est tellement différent de faire de la programmation, ça a rien à voir. Donc ça a rien à foutre sur la chaîne, je veux dire, ça serait complètement déplacé. C'est clair. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une autre chaîne. Je publie quand j'ai l'occasion de coder et d'enregistrer le tout. Il n'y a aucun planning, aucune contrainte, aucune annonce de quand il y aura des vidéos, rien du tout. C'est vraiment du... ça sort quand ça sort, quoi, tu vois. On a une offre de paix de la Moscovie. Ouais, on est en train de... Non, il revient un peu à l'offensive, là. Comme ça, hein, comme là. Est-ce qu'on les tourne en live, la série Eurocard Multi? Non, on la tourne pas en live. Parce que le problème, c'est que si on la tournait en live, bah, il y aurait un décalage entre ce qui a été diffusé le jour même et le live du soir. Parce qu'on prend, on prend toujours de l'avance, on a toujours quelques jours d'avance, sauf quand on n'arrive pas à se voir, sur le record. En fait, on avait essayé à l'époque avec Xalorian et Tiberians, on faisait en live, enfin moi et Xalo, on était en live en tout cas. Et ce qu'on se rendait compte, c'est que tous les gens qui arrivaient sur le live pendant le live le mardi soir, c'était aussi le mardi soir, nous disaient...
ah mais vous en êtes où, ça a rien à voir avec ce qu'on a vu le midi, et reparti direct disant je veux pas me faire spoil, c'est normal. Et du coup, bah, au final, il y avait dans les 150 vues sur la série YouTube, sur nos chaînes YouTube, ce qui à l'époque pour nous était énorme, 150 vues. Et par contre, il y avait que 3 ou 4 personnes au live. Donc du coup, non, le faire en live, c'est pas intéressant. Ah, attendez, parce que j'ai juste qu'ils disent des gens... Ouais, salut Yotinvo. Bonne nuit. Codran, penses-tu faire des jeux non historiques? Oui, oui, bien sûr, oui. Ça pourra arriver éventuellement, même si après, c'est vrai qu'au final, les jeux de stratégie, c'est beaucoup des jeux historiques. Mais après, par exemple, tout ce qui est Endless, tout ça, il y a une série Actives qui est prévue sur Endless Legends, Déglingus aussi, qui est prévu. À nous trois, on devrait se faire ça prochainement. Rock Spectral me demande quelle est ma faction préférée, j'imagine que c'est sur Europa. On avait un peu répondu tout à l'heure nos pays préférés, moi j'avais beaucoup aimé la Bourgogne. Le Brandebourg. Et voilà, bon. Ah, il y a Yotinvo Pokis qui promet qu'il va rattraper tes vidéos Europa Universalis 4. Et en laissant des commentaires. Je vais voir ça. Et il espère d'ailleurs que ses commentaires nous plaisent. Oh, ils sont ses pavés. Bah oui, bien toujours, sûr. Toujours, toujours. Toujours. Ces pavés nous manquent à chaque fois dans, quand il n'y en a pas. Non, tant que Max, je n'ai pas de demoiselle. Tant mieux d'ailleurs, parce que sinon je pourrais pas gérer une vie sentimentale en plus d'une vie YouTuber. Donc je suis tout à vous, mes abonnés. Je suis tout à vous. Pour le moment. Les mariés aux abonnés, en fait. Wow. Je suis marié aux abonnés. Je sais, c'est marrant, il y en a... Les poutrés, là. On en parlait, il y en a deux qui sont allés s'abonner à la chaîne secondaire de Coding. Bah bienvenue, je suis sûr que vous êtes sur le live, c'est obligé, ça peut pas, c'est pas possible autrement. Mais c'était Pokist, tu dois le savoir, c'est Quill18 qui a une chaîne, donc sa chaîne de gaming, et à côté il fait une chaîne de programmation oui, sur... Oui, oui, il a fait sur Unity. Sur Unity, ouais. Sur Unity, ouais. Il fait des trucs très sympas d'ailleurs, j'ai regardé quelques vidéos. Ouais. Tu vois, tout de suite, merci pour la fidélité. Quand on a le même niveau militaire, ça change, hein. Ah ouais, c'est clair. Tu l'éclates. On a combien de... Ah ouais, et avec la cavalerie aussi, hein. En phase de choc, avec des nomades qui peuvent avoir 100% de cavalerie. Bah, le rapport 100%. Ça. Après, le problème de la CAF, c'est que ça coûte cher, quoi. Eh ouais, c'est ça le problème. Alors, on me demande où est la chaîne de Coding. Donc, je vais mettre le lien vite fait. Dans les chaînes recommandées. Ah, la Moscovie attaquée par... éventuellement la Suède. Ouais, Moscovie est attaquée par la Suède. Et Novgorod. Tiens, tu vois. On est en train de renverser la géopolitique en Europe de l'Est, là. Ouais, ouais, ouais. Novgorod qui... En même temps, ils sont épuisés sur nous. Hein. Ouais, ah ouais, d'accord. Novgorod, ils sont... Ah, mais ils sont vassals de la Suède, en fait. C'est la Suède qui profite. De toute façon, là, c'est la fin des haricots à la Moscovie. Bonne nuit, le furet. Ouais, bonne nuit. Alors, ah oui, il y a Gigi qui a posé plusieurs fois la question. Les Girac, est-ce que tu vas nous faire refaire des vidéos sur Age of Empires 3? Wow. T'as pas l'air très motivé. C'est pas prévu. En même temps, Age of Empires 3, c'est sûr que c'est pas le meilleur. Oui, enfin, moi j'ai bien aimé, mais... Ah bah t'as deux de plus. Avec Mana, y'a plus le multi en fait. Y'a plus le multi. Ben honnêtement, moi je me suis acheté le remaster de Age of Empires 3. J'ai joué 5 minutes et j'ai fait, c'est quoi ce foutage de gueule quoi? Je viens de sortir 20€ pour cette merde. Enfin, c'était Age of Empires 3, d'accord, mais... Ou non, c'était pas le 3, c'était le premier. Ou le 2. Non, c'était le 2. Celui où on commence avec Jeanne d'Arc dans la campagne. Pareil, c'est le 2. Oui, c'est ça, je l'ai acheté, pareil. J'ai ah putain, c'est l'horreur quoi. C'est la même chose que l'ancien, des graphismes tout aussi pourris. Ah, je fais en pire HD, ouais, c'est n'importe quoi. Oui, non. Non, mais faut prendre, regarder Kozak 3, je veux dire, là au moins il y a un vrai changement. Mais il y a.
pareil sur le Baldur's Gate Enhanced Edition là. Pas, enfin ok, c'était, il y avait la résolution, d'accord, c'est cool, mais oui. Vraiment déçu quoi. Tu changeais ça, ouais, tu changes ça dans les fichiers du jeu. Ouais, voilà, ouais. Tu peux le faire à la main, ça. Tu te dis mais t'as, non, c'est quoi ce... Alors oui, il y avait du contenu supplémentaire effectivement. Il y avait un ou deux persos, quelques quêtes. Bon, je suis même pas allé jusque là. Il fallait que je refasse tout le jeu. Je l'avais déjà fait deux fois. Ça m'a pas donné envie. On me demande si je pense battre la Nouvelle-Espagne dans ma série avec les Asgard. Mais je l'ai déjà battu trois ou quatre fois la Nouvelle-Espagne, donc c'est pas un problème. Légirac, vas-tu faire des vidéos sur Total War Arena? Non, moi Total War, non, c'est pas mon truc. Ouais. Faut que je le teste, ça fait 6 voilà. mois que je l'ai ce jeu et je l'ai jamais lancé quoi. Pareil, bah, moi aussi. Je me suis un peu lassé moi à partir de Rome 2. Ils sont bien, mais je sais pas, c'est pas. Ça a peut-être fait son temps pour moi, après je suis plus allé sur les paradoxes. Ce qui est génial dans les paradoxes, c'est leur côté temps réel, si tu veux. Moi, ce qui m'a toujours énervé ça, dans les Total War et encore plus dans les derniers, parce que je pensais qu'ils allaient s'éloigner de ça, et au contraire, c'est le fait que ça soit par semestre, quoi, tu vois. Et tu te dis, ok, les mecs, ils arrivent à se déplacer que de ça en 6 mois, et puis même de tout. Enfin, c'est pas adapté, je trouve, et je préfère 100 fois plus pour ça. Europa Universalis, où on est en temps réel, on peut faire pause, machin et tout, c'est génial quoi. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal à jouer au jeu en tour par tour du coup depuis que j'ai découvert Europa. Il y a Stone qui m'a dit de regarder là, le Japon. Force, là. Mais le Japon, je ne le vois pas malheureusement, il est pile à la limite. Et je vois juste un petit bout rouge, un petit bout vert, un petit bout bleu. Tiens, ça doit être la Corée. Je crois que c'est explosé. Focus, hein. Les joueurs qui étaient dans l'Est nous ont focus, c'était vraiment énervant. Ça a été l'horreur. Ah, Orc Spectral me dit la dégager du continent, la Nouvelle-Espagne. Non, j'irai pas jusque-là. Ça m'intéresse pas d'aller jusqu'à la dégager, parce que j'ai pas le temps, vu qu'on est déjà en 1790 dans la partie. Il me reste même pas 30 ans. Non, là je suis en train d'attaquer la Bourgogne, c'est vachement plus rigolo. Avec mes Vikings. En gros, pour vous expliquer, il y a la Bourgogne qui a entièrement conquis la France, d'accord ? Mais entièrement, quoi. Et la France, du coup, a transféré sa capitale au nord, au niveau de Seattle, en Amérique de l'Ouest. Vous voyez ? Dans l'état de Washington, là-bas, tout au fond, au sud de l'Alaska. Okay. Tu vois ? Et en fait, du coup, vu qu'il avait quatre provinces, moi, vu que j'ai toute l'Amérique du Nord, bah, je suis allé le vassaliser. Et du coup, j'ai déclaré la Bourgogne avec Cassius Belli, reconquête. Du coup, je suis en train de reconquérir les terres en France et j'ai la France en vassal. Ah, c'est monstrueux. Spoil. Ah, t'as vu la non, mais c'est pas des spoils. Hein. Dans la vidéo de ce midi, il y a la guerre contre la Bourgogne. J'ai pas dit que j'allais gagner. J'ai dit que j'étais en train de le faire. J'ai pas dit si j'avais gagné ou pas. Non, c'est les stages. Je peux pas faire de commandes. Je pense pas. Viens voir. Non, tu peux pas en multiplayer. Non, on peut pas. Multiplayer ou Iron Man, on peut pas. Essaye, tu prends pour qui ? Non, j'ai essayé quand même, pour voir. Hein. Tu sais, je vais même essayer de prendre Kazimov à la Moscovie. C'est une province unite. Ah bah ouais, hein, carrément. Ah, quand autant je pense qu'on que, est parti. Avec l'ordre teutonique, je suis en train de convertir tout ça au catholicisme. Il y a du taf, hein. À quand la prochaine vidéo série relais Caudran ? Je peux répondre à sa place, c'est pas pour tout lundi. De suite parce qu'il n'y a pas. Bah non ! Ah non, le relais. Sur oui, le relais, non, c'est pas pour tout de suite parce que je me concentre sur d'autres séries. Puis t'as pas plus, de save après, de. Il va y avoir des nouveaux jeux. T'as pas eu de save pour le moment, ouais, en plus. J'ai pas de save. Mais et bon, après, ça va être la rentrée en plus. Donc voilà, pour le moment, c'est pas vraiment prévu quoi. Mais j'en prendrai une comme ça parce que c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps. Prends deux sessions à tourner, hop, c'est bon quoi. Moi, je le fais en live en général et je le fais en un live. Tu vois, en une soirée de live, je tourne tous les épisodes d'un coup, même si ça en fait des fois 10-12, ça fait des lives un peu longs, c'est pas grave. Et comme ça, au moins, tu vois, juste en une soirée, poum, je suis débarrassé, je peux diffuser, quoi. Alors, ça me fait marrer parce qu'après, t'as les gens qui viennent te dire « Oui, tu devrais faire ça », et toi, t'es « Oui, mais il y a déjà tout qui est enregistré, tu vois, c'est... » Ouais, c'est ça. Alors en plus, ce qui est difficile, c'est quand t'as les mecs qui disent « Oui, pourquoi t'as pas fait ça ?» et que toi, tu sais que dans l'épisode d'après, tu l'as fait. Tu vois ? Et t'es là, tu lui dis « Je suis désolé, je voudrais pas te spoil la suite, tu vois ?» Parce que je peux pas te répondre, en fait. c'est dur. Non, moi, je spoil, hein, je m'en fiche, hein, déjà.
J'ai aucune vergogne. Wow, légère. Tout le monde dit, oh, mais tu nous as tous spoilés. Je dis, oh, on s'en fout. De toute façon, c'était prévisible. Quelle horreur, t'imagines, tu ferais ça. Il y a des gens qui considèrent nos let's play comme une saison de Game of Thrones. Quoi. On peut pas les spoiler comme ça. C'est violent, je veux dire. Surtout sur Crusader Kings 2. Attends. Ouais, bon, moi je fais ça que pour le fric, de toute façon, je m'en fous. Du moment qu'ils regardent mes pubs. Oui, bah oui, moi aussi. D'ailleurs, je vais sans doute faire que des lives maintenant, parce que YouTube, oui, ça voilà, rapporte ouais, pas YouTube, assez. Oui, voilà, YouTube, ça rapporte pas assez, franchement. Non, faut faire les lives, faut faire les lives, donc ça te rapporte des sous, et après tu les remets sur YouTube, et après ça te fera encore des sous. Et voilà. C'est ça, exactement. Ouais. Après tu les mets sur Dailymotion, et après tu... De toute façon, moi je suis une chaîne triple A, donc... Voilà. Après, toutes les portes sont ouvertes. Alors on me dit, Jace, tu fais trop de contenu. Ah, ah. Qui est d'accord avec cette exclamation? Mais au moins c'est un contenu de qualité. Ah, moi perso, j'ai jamais le temps de regarder. De toute façon, je vais être franc, moi je regarde quasiment pas de toute façon. Parce que j'ai jamais le temps. Je n'attends pas de vous que vous regardiez. Jace, c'est juste, on choisit la série que l'on veut regarder tous les jours et on la suit. Quoi. Voilà. T'as tout compris. De toute façon, je regarde très rarement des séries en fait. Un épisode par-ci par-là. Mais... On a 5 régiments de paysans qui sont sur notre fort au sud, donc ça devrait prendre assez de temps avant qu'ils arrivent à le prendre. Non, mais c'est exactement le principe, c'est que je fais trop de contenu si tu veux tout regarder, c'est sûr. Mais le truc, c'est qu'au final, les 1100 vidéos, elles sont quasi. Il y en a 80% qui sont regardées chaque jour, quoi. Donc au plus je fais de contenu, au plus il y a de vidéos qui sont regardées, au plus il y a de gens qui regardent, au plus il y a vu que c'est varié, au plus il y a de gens qui s'intéressent. Non, mais au plus ça se développe, ça fait effet boule de neige. C'est comme ça que je suis passé en 6 mois de 0 abonné à 2300, que je fais dans les 4500 vues par jour. Je fais 4500 vues par jour, je veux dire, c'est énorme. Pour la taille que je fais, c'est anormal presque. Tu vois ? 4000, ouais. Moi je fais ça, enfin je fais le double en un mois. Voilà. Donc là je fais plus de 100 000 vues par mois. Je fais plus de 100 000 vues par mois là en ce moment. Je suis à 110 000 sur les 30 derniers jours. Et ça continue d'augmenter. Ça croît. Il y a 3 semaines, j'étais à 3500 vues par jour. Et là, j'ai passé les 4000. Je monte jusqu'à 4100, 4500. Voilà. Et ça, c'est uniquement parce que je fais autant de contenu. Donc, est-ce que je fais trop de contenu? Non, je suis pas d'accord. Je connais des chaînes américaines qui en font encore plus. Pour ne pas le nommer, Arumba, il en fait 8 par jour. Codran, tu ne fais pas assez de contenu. On va faire un deal, Codran. Je te passe la moitié de mes vidéos, tu les diffuses sur ta chaîne, ouais. D'accord. On va faire ça. Oui, voilà, c'est bien ça. Non, mais c'est vrai que moi, des fois, il y a des trous, ça me dérange pas. Genre, quand je peux pas tourner, quand je suis en vacances ou autre, voilà, il y a des trous, il y a moins de trucs. Voilà, après, c'est pas, pour moi, c'est pas extrêmement grave, quoi. Il y a même tant que Max qui dit non, Jace, t'en mets pas assez de contenu. Vous voyez? Non, mais moi, vous vous imaginez si j'arrive à en vivre de YouTube, mais 6 vidéos par jour, ce sera les jours où j'aurai pas eu le temps de tourner, quoi, tu vois. Bah oui. Mais après, est-ce que ça t'intéresserait, toi, de monter plus haut en termes de vidéos par jour? Moi, je pense que 6, c'est le nombre parfait. Alors, en fait, à l'origine, quand j'ai démarré la chaîne, j'ai fait des calculs. J'ai fait pas mal de calculs, tu vois, parce que je me disais, bon, Arumba est à 8, mais pour moi, 8, c'est beaucoup trop, vu que lui, il est à temps plein dessus, moi, en tant que... Il est passé à 6 maintenant. Ouais, c'est vrai qu'il est redescendu à 6, mais c'est vrai, j'avais pas vu qu'il était redescendu à 6, mais j'avais remarqué qu'il avait un peu diminué. Il a des périodes, des fois aussi, où il diminue. Et en fait, j'ai commencé à 4, du coup. 4, pour moi, au début, c'était vraiment le chiffre idéal, parce que... J'arrivais à maintenir le rythme et tout. Après, en fait, ce qui se passait, c'est que de temps en temps, quand il y avait un jeu qui sortait, ou genre une nouvelle extension sur Europa qui sortait, je montais temporairement à 5, tu vois. Puis ensuite, on a commencé les lives, les multis avec Xalorian au début. Puis ensuite avec Xalo et Tibbs, et maintenant avec Xalo, Tibbs et Codran. Et ça, du coup, j'ai augmenté à 5 pour ça. J'ai gardé les séries que j'avais en cours à côté, et j'ai rajouté un créneau de plus. Mais c'est pas un créneau qui me gêne beaucoup, parce que vu qu'on enregistre tous les mardis soirs, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça rentre dans mon planning, ça me rentre dans mon planning de recording, je veux dire, j'ai pas à me forcer pour l'enregistrer, au contraire, c'est un plaisir à chaque fois, donc c'est génial. Donc du coup, je suis monté à 5. Et là, maintenant, que je finis mes lives en faisant du Elite Dangerous et que j'enregistre en 1080p en local pour le rediffuser sur la chaîne, redécouper un épisode de 20 minutes,
Je veux dire, en un live de 3 heures, j'ai déjà fait 9 épisodes. Je veux dire, là, je suis jusqu'au 20, mi-septembre, tu vois, je suis tranquille. Donc au final, je suis monté à 6, tu vois. Mais normalement, normalement, c'est 4. Normalement, tu vois. Mais après, tu sais, t'es là, en plus, de temps en temps, t'as des découvres à sortir, t'as des vidéos spéciales, tu vois, t'as des trucs, et voilà. Mais après, c'est vrai que j'ai eu une période vraiment de grosse fatigue, de très difficile, parce que je faisais mes lives le dimanche et le lundi soir. Et finir à 3h du matin le dimanche soir, arriver au boulot le lendemain, le lundi soir remettre ça, arriver au boulot le lendemain, c'était pas possible quoi. Je veux dire, au bout de tout d'un mois, j'arrivais plus à tenir, j'étais vraiment épuisé. Ouais. Et du coup, j'ai déplacé mes lives au vendredi et au samedi, et là ça va beaucoup mieux parce que après je fais la grasse mat le lendemain, je me lève à 14h, voilà quoi. Enfin encore, des fois je me lève à 9h quand même au final, mais c'est... Voilà quoi, c'est... Je sais pas, j'arrive à tenir le rythme sans me forcer, j'arrive même à avoir plus d'avance que j'en avais avant, quoi. Puis le truc, c'est que c'est vrai qu'au final, tu joues pas énormément, parce que en fait, à chaque fois que tu joues, tu tournes. Oui. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent aussi, quoi. Ah, merci la Hollande. Ouais. Ça nous aide beaucoup. Oui, c'est ça. Les seules fois où je joue sans tourner, c'est quand je teste un nouveau jeu pour faire un Jay Découvre, et où j'essaie d'y jouer une heure ou deux. Pour arriver à la petite lettre d'insulte, pour arriver en gros à... C'est les Girac en plus, la bohème. Je peux même pas faire, je te... Oui, moi je peux pas faire, je te on vois On peut pas. Même pas faire, on le voit pas. C'est abusé. C'est cynique. Non mais voilà quoi. Combien d'heures par jour je joue? Ben pas tant que ça au final. En fait, mais une chose qui est vachement étonnante, c'est que je joue moins qu'avant. Avant de commencer ma chaîne YouTube, je jouais encore plus que ça. Parce que je rentrais chez moi, à 9h, je me mettais sur Europa, par exemple, et je jouais jusqu'à 3h du matin. Ça, je le fais plus du tout. Courageux. Non, mais c'est vraiment... Non, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais été un gros joueur. Non, mais c'est, Europa, c'est un cas particulier. Je commence à y jouer, puis c'était là. Allez, une dernière guerre. Bon, allez, je prends ça et puis j'arrête. Je vassalise ce mec et puis j'arrête. Et au final, c'est 4h du matin après, quoi. C'est une espèce de bulle temporelle qui se forme quand tu commences à jouer au jeu. Et justement... C'est vrai que moi, au final, Europa, j'y joue pas tant que ça en solo. Ouais. En solo, moi, c'est plutôt un petit The Witcher le soir, tranquille, ou un Mass Effect, ou un truc comme ça, peinard, quoi. Je veux dire, Europa, pour moi, c'est quand je tourne, c'est quand je suis sur YouTube, quoi. Mais en solo, c'est vrai que j'y joue pas des masses, quoi, après. Ou en multi, sinon, ouais, c'est vrai. Au final, moi, je joue moins, tout simplement, parce que, vu que j'ai mon timer à côté, et que je vois, et que juste à côté, j'ai mon dossier où il y a les vidéos qui se recordent, bah, au fur et à mesure que je recorde, je vois les vidéos, tu vois, j'en vois 3 vidéos, ça fait 1 heure, tu vois, dans ma tête, ok, ça fait 1 heure que je joue, 6 vidéos, là, ça fait 2 heures que je joue, et puis en plus, le fait de commenter, c'est fatigant, tu vois, je veux dire, c'est quand t'es passif, que tu ne commentes pas, que tu fais que jouer, c'est beaucoup moins fatigant. Non, c'est ça en plus. Ouais. Voilà. Alors, donc, du coup, au final, je joue moins, moi, je joue beaucoup moins qu'avant. Et ça, les gens ont du mal à le croire, quoi, tu vois. Ça. Oui, Bibi, on est deux sur le même pays. Alors, Darkent qui me demande quel est mon boulot, en écrivant boulot comme l'arbre d'ailleurs. En boulot, oui, c'est ce que je. Mon boulot, alors, c'est un magnifique boulot qu'il y a dans mon jardin. Non, moi 3 je suis 1G info à Toulouse. Voilà. 1m85. Ouais, 84. 84 et demi. Et demi. Et demi, ouais. Y'a que ça des achats d'infos. Moi je fais 14 cm de moins, voilà. Je fais la même taille que Tom Cruise. et que Vladimir Poutine. Ça va. Ah, ouais, ça va, c'est mieux comme référence. C'est mieux, oui. ça me rassure. Ça me rassure. À chaque fois je pense à ça et je me rassure. Je me dis, oui, c'est bon. Bon bah tu vois cette guerre finalement, hein. Bah finalement elle se passe très bien. Ouais, non mais c'est vrai, on a été violé, hein. Mais on n'a pas le syndrome de Stockholm. Merci justement. Les donateurs. Tu vois, c'est... Non. On a réussi à surmonter. La stratégie, sans concession. Exactement. Voilà, voilà exactement. Voilà. Ah, Robenzil qui dit qu'on est de la même région, j'imagine que tu es de Montpellier. Vu qu'on est de la même région maintenant, si t'avais pas dit maintenant j'aurais... On sait que t'étais dans la même. Non, réforme. Puis la réforme. Ouais. Maintenant, je viens de construire de partout. Avant la réforme.
Bon bah écoute, je vais faire la paix, je prends juste Kazimov de toute façon. Que ça? Je vais peut-être attendre la fin du siège, je vais prendre plein de tuyaux. Ouais, prends Moscou. Prends Moscou, c'est leur capitale. Ça va valoir énormément de score de guerre. C'est ça, ouais. Alors, History 5 demande une vidéo par jour, est-ce que cela vous semble correct? Oui, c'est. Enfin, il y a beaucoup de chaînes qui font pas une vidéo par jour. Donc c'est comme moi. Pour moi, c'est le minimum syndical, une vidéo par jour. Mais bon, chacun après son rythme. J'arrive maintenant. Ouais, t'arrives à en faire 3 même. Attends, il y a eu des jours, t'en as mis 3. Ouais, ça c'était quand j'étais chaud et que j'étais pas parti en vacances. Je m'appelle, je t'avais dit, Caudran, j'ai croisé un de tes abonnés dans la rue, il était complètement catatonique, je crois qu'il a fait une overdose de tes vidéos. 3 en un jour, c'était trop pour son... Je crois que c'était genre, t'avais la série Relais, ouais. La série Multi, et en plus je foutais autre Total chose, War, je crois. Qui traînait. Je crois que c'est Total War que t'avais mis. Ouais, un truc qui traînait comme ça, ouais. Ah, effectivement, heureusement que la Suède s'y est mise, ça a dû nous aider, je crois. En fait, elle est arrivée quand on avait déjà défoncé l'armée. Ouais, ils ont profité du truc, quoi. Putain, l'Ouzbékistan a bien grossi. Je sais pas si. L'Oirat, je sais qu'il était joué par quelqu'un. Je crois qu'il n'y est plus là. Bon, personne ne jouait Ming. Tu peux peut-être donner des terres. Tu peux pas donner des trucs à Ryazan ? Ouais, à Ryazan. Si, au Ryazan, oui. Ryazan, c'est notre vassal ? Non, c'est pas notre vassal. Ici. Non, Kazan. Ah. C'est quoi que... Oh putain. Je commence à être fatigué là. Ouf, ah mais merde, quel con, j'ai donné Kazimov au Ryazan. Oh putain. Comment on commence à être fatigué, oui. Au Ryazan. Bah au pire tu lui donnes Kazimov, c'est pas grave. Que lui l'ait ouais, ou que nous l'ayons, c'est une pareil. Eh ben Ryazan, il est quoi ? Ça ne nous aurait pas posé de problème, quoi. Ah, il est orthodoxe. Ouais, mais attends, ouais, on peut... C'est con, ouais. On peut... Eh ben non, c'est pas le même groupe religieux, donc on peut pas forcer sa religion. Malheureusement. Oui, Bibi, on est deux sur le même pays. Non, en fait, je contrôle les troupes avec ma pensée. Tu vois, là, je viens de donner l'ordre de tête à mon armée d'aller vers Tambov. C'est pas, enfin, je suis vraiment, franchement, ça me fait un peu chier que on puisse pas, quand on host la partie, se mettre en mode observateur. C'est vraiment con parce que j'aimerais vraiment moi le faire. C'est pour ça peut-être que si on refait ça un jour, il faudra que, faudrait voir si quelqu'un d'autre pourrait pas, aurait pas les capacités d'héberger. Comme ça, moi j'aimerais vraiment me mettre en mode observateur pour faire ce qu'a fait Xalorian en fait en début de soirée quoi. C'est ça, ouais. Est-ce que vous ferez l'Albanie sur Crusader King 2? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai vu un let's play d'un mec, je sais plus comment il s'appelle, qui a... Je sais pas s'il avait fait une conquête du monde, un truc dans le genre, avec l'Albanie dans Heart of Iron 3. T'imagines le truc? Ouais, pas mal, hein. Ah, c'est pas mal, ouais. Franchement, j'étais sur le cul. Que la force soit avec toi, oui. Avec vous tous, même. Tank Max qui dit qu'il dort sur son bureau, donc en fait tu es en train d'écrire sur le chat avec ta tête qui est en train de dormir sur le clavier, c'est ça? Bon, c'est vrai qu'en Moscovie, il y a la blinde de forts, hein. C'est hallucinant. 1, 2, je crois qu'elle en a un au nord, ouais, il y en a un troisième à Oustig. C'est pas la France, non. Ah, nous ah, nos offres de paix. Ah oui, on est à 66%. C'est pas mal du tout, hein. Bien joué. Il y en a un qui dit, je me rappelle m'être endormi sur mon portable sur une avec une vidéo de Caudran, je dois prendre ça comment. Que tu es chiant. Non, mais c'est que tu l'as bercé, ta voix, ta douce voix l'a bercé. Oui, oui. Tes paupières sont lourdes, très lourdes. C'est comme à la partie mardi soir. Bon les mecs, si jamais vous m'entendez ronfler, vous me réveillez. J'étais vraiment tellement épuisé quoi, que j'étais complètement catatonique devant le jeu quoi. On peut pas reprendre des territoires qu'on a donnés à un allié ? Non, malheureusement, ça c'est vraiment un truc qui est un peu pénible quand on fait une fausse manip. Ah, paradoxe. Bon, c'est un petit peu pute, genre tu lui donnes après tu fais oups, non. Oui, c'est ça, ouais, bah Kazimov, c'est ça, mais de toute façon je vais le prendre dans tous les cas, c'est pas grave.
Je vais peut-être carrément prendre Moscou. Alors Nicolas Zes qui nous demande, que pensez-vous de Common Sense? Vous préfériez-vous avant ou maintenant? Personnellement, je préfère maintenant et de loin. J'adore Common Sense, c'est vraiment un DLC pour moi qui ajoute vraiment toute la gestion d'efforts et tout, j'adore. Vraiment grave quoi. Mais après je peux comprendre qu'il y a des gens contrôles, qui contrôles, tu te bats vraiment tu te bats vraiment pour un point et c'est beaucoup plus stratégique quoi. Après c'est vrai que c'est plus chiant. Oh putain, il y a plein de révoltes paysannes en Moscovie là. Lorsque j'ai l'avantage avec l'effort, c'est le meilleur DLC du monde. Lorsque je n'ai pas l'avantage, j'ai envie d'éclater le jeu. Ah ouais. Ben, clairement, lorsque tu joues Madrid, enfin l'Espagne, Castille, et que tu essaies d'aller à Lisbonne, mais que tu es obligé de passer à cause des forts par mine et par le nord des États-Unis, c'est un petit peu chiant, quoi. Moi, je trouve ça un petit peu. Ouais, c'est abusé. Clair. C'est vrai, ouais. Ouais, bon, il y a des. Enfin bon, comme chaque DLC, de toute façon, à chaque fois, il y a des nouvelles choses qui sont bien parce qu'ils essaient de corriger des trucs, mais du coup, ils font apparaître des nouveaux problèmes, quelque part, tu vois. Donc c'est ouais. Bon après c'est pour ça heureusement qu'il continue en permanence à améliorer quoi parce que sinon ah putain on devrait peut-être faire la paix là non c'est les rebelles de paysans là ils sont chiants ceux-là ouais du coup ils sont en train de refondre toutes les provinces ouais bah attends ça va se passer comme ça. Mais tu vois on a quand même bien réussi contre-attaquer, c'est parfait ça. Ah, c'est Lesta qui dit sur Euphor, j'aimerais bien un système économique plus poussé. C'est ce que tu disais aussi, les Girac, tout à l'heure. C'est vrai que. Non, c'est pour qui ça. Ça pourrait être amélioré, mais bon. Je vois mal quand même un système économique aussi poussé que dans Victoria. C'est pas vraiment adapté à la période historique, quoi. Je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Bah après, ils peuvent toujours adapter un truc avec le mercantilisme et tout. Hein. C'est sûr qu'il n'y aura pas les investissements, tout ça, mais enfin, pas de la même manière. Le Closet Engine ne leur permet pas. Ils l'ont déjà dit, en fait. Wiz l'a déjà dit. Ah ouais ? Il a dit quoi ? Ouais, l'IA ne saurait pas gérer. L'IA ne saurait pas gérer sur le Closet Engine. Un système économique aussi. Pas aussi poussé, mais poussé, quoi. Pauvre IA. On me dit, ouais, c'est ça, on me dit, j'ai une voix qui fait dormir, qui apaise. Ouh, le marchand de sable. Prépare que je suis stressant. Et d'autres me disent que je suis calme. Après, enfin, les gens, ils sont jamais contents. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va faire de beau? De toute façon, là, on va donner au Ryazan. Hop, 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 et voilà. Yeah! Donc du coup, cette Kaluga et Kazimov à Ryazan, cool. Ah, t'as complètement isolé Moscou au final. T'as fait libérer Vladimir. Ah non, c'est nous qui l'avons pris, Vladimir. Mais on va pouvoir légitimer. Non, c'est Ryazan. Non, non. Ah mais merde. Attends. Oh putain. C'est nous qui l'avons, le coup, Vladimir. J'ai oublié de changer. Du coup, on doit payer attends, 235 attends, points. Attends. Pas vendre une province. Si, tu. Je crois qu'il faut qu'elle soit légitime. Ouais, c'est ce que je crains. Non. Non, effectivement, pas besoin. Allez, gratos. Bon, je te laisse le faire. Voilà. Yeah, nickel. Voilà. Bien vu. Bon, c'était qui disait qu'on se faisait défoncer, là? Il est où? Hein? Bon, on a 10 emprunts. On a 5000 d'effectifs, mais... On n'a plus d'armée. Alors dites-moi sur le chat, ça vous fait quoi d'avoir tous vos youtubeurs préférés dans un même événement? Au même endroit, tous sur l'audio en même temps, qui se parlent et tout. C'est stressant. C'est stressant. Non, c'est sympa, franchement. C'est des moments agréables. Alors Nicolas Zes qui dit quelque chose qui est sympa, c'est que vu qu'on n'a pas encore trop d'abonnés, on peut répondre personnellement quasiment à tout le monde et qu'on est très disponible, c'est vrai. Ah, ça c'est sûr. Moi je peux plus non plus répondre vraiment à tous les commentaires, tout simplement parce que des fois je sais juste pas quoi dire, donc j'essaie au moins de laisser un petit like sur le commentaire, ne serait-ce que pour montrer à la personne qui a laissé le commentaire que je l'ai vu, vous voyez. Parce que des fois, je veux dire, juste quelqu'un qui dit first par exemple,
Moi perso d'ailleurs, je suis vraiment ravi qu'on dise first sur mes vidéos. Parce que ça veut dire que je commence à être suffisamment connu pour qu'il y ait des gens qui viennent mettre des first, quoi, en fait. Donc du coup, j'adore. Je suis là à chaque fois, je dis « Yeah, il y en a un qui a mis first !» Ça veut dire qu'il était tellement motivé à l'idée d'être là en premier qu'il est venu à l'heure et tout, quoi. En plus, c'est encore plus difficile, je me dis, parce que vu que moi, elles sont toujours réglées comme une horloge, mes vidéos, c'est 21h pile, tu sais, toujours, c'est la même heure pile. S'il y a des mecs qui commencent à se battre pour être first, je les imagine à 21h en train de faire refresh sur la page et tout. Perso, j'adore ça. Le live a crash. Le live a crash. Faut juste faire un refresh, je pense, ça va revenir. Parce que moi, mon OBS continue à streamer. Bon. Non, c'est pas bon. J'avais pas remarqué, en fait, on a une rébellion de paysans au sud, à Astrakhan. Ils étaient 3000 et là, ils sont plus que 700. Mais d'ailleurs, vu qu'on a le truc, on peut augmenter la qualité du live. Oui. On peut aller plus vite. Mais Twitch ne recommande pas d'aller au-delà de 3500 kbps par seconde. On va monter à 2500. Mais c'est Twitch. T'es à combien de base? À 1300. Moi je stream toujours en 3 à 3500, les gens se plaignent pas. Ah, c'est moi à 3500, ça passe jamais. Les gens me disent personne ne peut regarder mon live si je fais du 3500. Hein. Amoureux des idées aristocratiques, c'est. Donc, ouais, pour finir, du coup, effectivement, on est encore, voilà, on a encore vraiment le temps de répondre, d'essayer en tout cas de répondre. Sur les lives très disponibles aussi, c'est pour ça que je pense que les gens aiment bien les fins de soirée sur Elite où justement c'est vraiment conçu pour interagir avec les abonnés. Je veux dire, c'est le jeu en lui-même, c'est du pilotage automatique presque avec ce qu'on fait. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est vraiment agréable même pour nous. Ça a l'air marrant. Ouais, mais en fait, je suis vraiment étonné du nombre de personnes qui regardent. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment très peu de personnes et tout, et au final, ça, les vues se maintiennent, elles montent à 250 dans les 24 premières heures, donc c'est-à-dire qu'il y a 250 personnes qui le suivent de façon assidue. Mais c'est un jeu qui se présente comment, en fait? Tu pilotes un vaisseau spatial et t'as la galaxie en entier qui est modélisée. Il y a 500 milliards d'étoiles à visiter. Tu peux pas aller à toutes. C'est fait comment? En 3D, enfin, c'est... comment ça s'est fait comment? Encore. Ouais, non mais c'est ça, ouais, je sais pas, enfin je connais pas du tout quoi. Bah je t'invite à aller voir ma série En route vers Orion, où on explore des systèmes stellaires. On se promène, c'est bien, on voit des géantes gazeuses. Qu'est-ce qui va faire pour toi? Tout le monde m'aime. Ah, je peux attaquer Moloch qui dit, moi j'adore le Elite de Jace sur YouTube. Mais tu devrais venir au live, Moloch, du coup, si t'aimes bien. Parce que comme ça, tu pourrais participer en direct. Ça serait encore mieux. D'ailleurs, c'est demain soir. Hein. Demain soir, on fait du Kerbal Space Programme. Et puis après, à partir de minuit, on continue sur du Elite. History qui te demande, Codran, si tu sais ce que sont devenus les Carpates. Ben, on verra ça vendredi prochain sur ma chaîne. Ben, sur mon Twitch. Ouais, moi, je sais pas du tout. J'ai pas regardé. J'ai regardé le début de Xalorian. Après, je suis parti en vacances. Entre temps, il y a Kleasim qui a fait. J'ai pas regardé. Et après, bah, y a toi, Jace, qui va prendre le truc. Mais je crois que cette série, globalement, elle se passe plutôt bien. Ça grossit pas mal, je crois. Et il n'y a pas trop d'abrutis comme en Irlande. Ça fait plaisir. Alors, Nicolas S demande si, Codran, tu fais des lives. Bah, j'ai la chaîne. J'avais prévu d'en faire, mais en fait, j'attends une meilleure connexion. J'attends les prises CPL, qui devraient arriver à la fin du... dans la deuxième moitié du mois d'août, je pense. Enfin, dans quelques jours, elle devrait arriver, puis après, je pense que ce sera bon, je pourrais boutiquer tout ça. Et là, ça deviendra sympa. Veux spoil quoi, Célesta, exactement? Demande si elle veut spoil, peut spoil. Mais après, est-ce que tu comptes faire des lives de façon régulière, ou c'est plus tu préviens quelques jours à l'avance à chaque fois, et en fonction de tes disponibilités? C'est ça que je sais pas du tout. Peut-être régulièrement, mais ce serait un pas plus, quoi. Ouais. Après, quand, je sais pas exactement, parce que c'est vrai que des fois,
Genre si je me dis le vendredi soir par exemple, ça peut être bien, tu vois, voilà, je finis la fac, tout ça, mais par exemple, si je veux aller faire un truc avec des potes ou autre, enfin des fois je peux y aller, des fois non, enfin c'est ça qui est, je sais pas quoi, donc je pense que ce sera un peu fait... Moi il m'arrive le samedi soir d'avoir un truc de prévu au final, et du coup de... d'annuler, bah, tu vois, ouais, mais en d'annuler. Règle générale, je préviens longtemps à l'avance, je le sais longtemps à l'avance. Tu vois, par exemple, le vendredi soir, j'ai un anniv de famille, bon, ben, quelques jours avant, et sur l'agenda, je marque, bon, ben, il n'y aura pas de live, quoi. Ah, il y a Célesta qui demande si elle peut spoil les cartes. 520 de... De quoi? 520 quoi? Ouais, il faut 520 de puissance diplomatique pour annexer le Ryazan, c'est énorme. Ouais, mais en même temps, quand tu vois la tranche des provinces... Ils ont quoi comme province ? 2-2-2, 3-3-3, 6-6-5, Ryazan, 4-4-5 et 7-7-6, Vladimir. Ah, c'est pas étonnant, hein ? Vladimir, c'est 20 de développement. 17, oui, ça fait Vladimir, quoi ? Ça fait 30, 50, 59, 65 de développement au total. Pas très étonnant, hein ? J'aurais dû prendre Kazimov directement, j'ai merdé sur le coup, là, mais bon, c'est pas... Au moins, on s'en sort bien avec la Horde, hein, franchement. Pas mal du tout. Ah, alors, Moloch qui dit, attention, il faut ne pas mettre des vidéos d'annonce de live sur YouTube, sinon on peut se prendre un strike par YouTube. Je sais, oui. J'ai entendu dire ça, c'est depuis un mois et demi, deux mois, que si, apparemment, faut faire vachement gaffe. Il y a encore beaucoup de YouTubeurs qui continuent de le faire, je sais qu'Arumba continue de le faire. Bah, moi, par exemple, putain, c'est con. Moi, je l'ai fait discrètement, c'est-à-dire je mets la vidéo, je la laisse à peu près une heure et puis je la supprime. Mais bon, c'est pour ça. Moi, personnellement, en j'attends fait, YouTube faut Gaming. Faire, c'est pour ça que j'attends YouTube Gaming. C'est pas remettre tout le temps en fait en ligne la même vidéo. Faut pas remettre en ligne la même vidéo à chaque fois. Faut changer de message. Bah, moi, je la re-upload à chaque fois, je re-upload la même. J'ai fait une vidéo standard, je suis en live sur Twitch, rejoignez-moi, tu vois. Je sais que Natsu, dans sa grande flemmardise, met toujours la même. Il a pas eu d'emmerde. Non mais ça fait pas longtemps, apparemment ça fait depuis qu'ils ont annoncé YouTube Gaming qu'il y a des gens qui ont pris des strikes si tu fais de la pub pour Twitch, quoi. Ce qui est vachement étonnant quand même, quoi. Encore, le truc serait sorti, je comprendrais, mais le truc est même pas encore sorti, quoi. Des fois YouTube, ils prennent des décisions un peu à la con, quoi. Bah c'est internet, hein, je veux dire, c'est pas... On a le droit de poster des trucs de chat, quoi, c'est complètement con, hein. YouTube des fois... Bon. Bref. Qui s'inquiète pas, on va y aller sur leur YouTube Gaming, mais ça a intérêt, ils ont intérêt à le polir à mort leur truc, parce que avec tout le temps, depuis le temps qu'ils nous l'ont annoncé là, parce qu'en plus ça me saoule sur Twitter, tu sais, ils tweetent très régulièrement YouTube Gaming, genre ils font des tweets sur des vidéos, des trucs, ils font de la pub pour des machins, tu sais, ils retweetent des choses, et à chaque fois t'es là, oh un tweet YouTube Gaming, est-ce que ça veut dire que c'est ça? Non, c'est, ah bah non, toujours pas. À chaque fois que je suis déçu dès que je vois un tweet, je me dis, eh ben non, en fait c'est pas eux. Apparemment, les descendants de Laszlo sont devenus rois de Ruthénie. Ah ouais? Je sais que j'avais foutu ma fille en princesse là-bas, mais... Enfin, mariée au roi, mais... Ah ouais? Je regarderai ça, de toute façon. Cette série avec les Carpates, elle a super bien commencé, et... Même elle suit super bien son cours, donc je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter là-dessus. Tu préfères de la tradition militaire et navale ou de la puissance admin ? Tradition militaire, oui. Les deux vont nous coûter 10 de prestige et 10 du cas. Tu préconiserais quoi ? Tu obliquais, tu c'est préconiserais seulement 25 quoi, points administratifs, c'est rien du tout. On n'a que 9 c'est de tradition militaire, c'est trop fort, mais 25 points administratifs, c'est vraiment la tradition militaire, alors. On va pour la trad. Vas-y, ouais. On va la perdre très vite, hein, quand même, hein, si on est en paix. On a plus d'effectifs. Enfin, on en a 4000, mais on a plus de thunes, donc... Stop, hein. Bon, du coup, c'est quoi la prochaine étape, là? On attaque... nos gars, ils sont alliés à Ouzbékistan. Ouais, Gênes serait pas mal. Mais attention à leurs alliés, ils sont alliés en à plus, Mantou, des... Naples, et tout. Ouais, ouais, mais c'est des pays moisis d'Europe, complètement paumés, donc ça vous posera pas de problème. Il y a les points commerciaux d'Azov, le Kouban, Kaffa, bon, tout en fait. La Valachie a intégré la Moldavie, mon dieu. Oui, j'ai vu ça, ouais.
Ouais, non, mais la Pologne, elle s'est fait violer, en fait. Elle s'est fait défoncer. Le mec qui l'a prise, il pensait que ça allait être easy, puis là, le Girac est arrivé, avec sa bohème. Coucou. Blam. C'est Owen qui l'a sauvé. Il l'a cherché. Mais non, mais c'était une coalition. Owen. Parce qu'à la base, je devais être la Rance, et lui, Lord Teutonique. Voilà. Et après, il y a la Pologne qui est venue. Bah écoute, on l'a défoncé. Notre quartier. Oh, oh, il y a un gélateur assez potable. 2h14. Oui, oui, ouais, ça va. Vous me dites hein, quand vous voulez arrêter, hein, parce que moi, sinon, je... Vous êtes fatigué. Peut-être à 23h. Avant 3h du mat, peut-être. À 23h, ouais. Ouais, moi, je pense dans pas très longtemps, moi, je vais quitter le truc. Bon, ouais, on arrêtera à ce moment-là, du coup. J'adore ta réaction face à l'homosexualité de Hugues. On se croirait dans une série, tu sais. De quoi vous parlez? De Guy Desailand. Ah d'accord, oui. Le dernier épisode. On dirait une série, tu sais. J'adore la réaction de Caudran quand Hugues est homosexuel. Je crois que j'aille voir ça. Ah ouais, ça vaut son pesant d'or. Puis mon roi qui se mange une masse dans la gueule aussi, qui devient incapable, c'est pas mal. Merci la Hollande. On est vraiment maudit. Maudit sur ces séries. Ah, la Hollande, tiens. Tu es étant empereur, je vais te demander de rendre les territoires illégaux. Chieur. Moscovie va libérer Pskov. Bloom. Ça c'est fait. Bon, ça va, c'est assez petit. Ah, en fait, je peux plus libérer la guerre. Non, c'est où Pskov? Ah, c'est juste ça là-bas. Ouais, non, non. Mais c'est un bon point assez important. En fait, ils ont fermé l'accès à la mer Baltique, à la Moscovie. C'est un bon commencement, hein. Ils l'ont complètement endigué en fait. Ah oui, effectivement. Sachant que nous, en plus, on encercle Moscou. Franchement. Ouais, la Moscovie, il lui reste pas et beaucoup bah, de, pas dû nous de attaquer. Provinces. Il reste pas beaucoup de provinces intéressantes. Hein. Il y a peut-être Yaroslav. Ouais, Yaroslav, développement 14. Ce qu'il y a, c'est vraiment Moscou, 28 de développement. Et après, le reste, c'est un peu du 10, 13, 9, 10, 14. Bon, c'est quand même pas mal, hein, c'est pas rien, mais. Et il leur manque leur meilleure province. Je veux dire, Novgorod, Tver, Ryazan, justement, Vladimir, surtout, 20 de développement. Ouais, on leur a fait mal sur cette guerre. Ah, c'est vrai que du coup, limite en vitesse comme ça. De quoi? C'est bien? En vitesse comme ça, on a passé combien de temps là? 20 ans et quelques? T'as vu déjà tout ce qu'on a fait? Ouais. Ah, c'est vrai. Hein. Avec la Horde, ouais, c'est. Bah, plus tu joues lentement et plus en fait. Tu joues mieux. Ouais. C'est ça. Mais bon. Mais bon, en let's play, c'est impossible. C'est ça. Bonjour à tous, alors... Tu passes un an, même plus, à faire un let's play. Ouais, c'est ça. Et encore, avec 6 épisodes par jour. Ouais, voilà. Qui a dit non? Non. Ah, c'est peut-être pour moi, pour... les territoires, c'est ça? Je suis en train de nous reformer une petite armée. Non, c'est bon, je vais te laisser tranquille. Quand tu es dans l'Empire, je ne te dirai rien. L'Empire te protège. Wahaha. Du coup, ça donne quoi comme bonus d'être empereur? Rien. Non, tu peux genre plus armé et tout. Alors, Caudran, il y a History 5 qui te dit que apparemment ton roi n'était pas mort dans le dernier épisode. Oh la vache! Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? De quoi? Attends, au début je pouvais faire 16 000 hommes, enfin j'avais un manpower de 16 000, maintenant oui, je suis à 45 000. Tu peux avoir plus 10 000 hommes, tu peux 45 avoir plus 10 000. Non, j'ai plus 18 000 hommes. Parce que t'as eu plus 10. Mon roi n'est pas mort durant l'épisode, mais si. Il a pas dû voir le dernier épisode. Il doit lui manquer un épisode. Attends. Ah ouais? Mais t'as pas l'économie, les Girac. T'as pas vu, ça s'appelle Sur les rives du Dniepr. C'est très poétique, oui. Puis Laszlo meurt en combattant les païens sur les rives du Dniepr, après avoir pris le duché de Crimée. J'ai pas l'économie, j'ai fait un bon revenu, hein.
J'ai 20 d'income. Il meurt de vieillesse dans sa côte de maille. Oh, oh ouais, c'est beau. Ah bah c'est une belle mort. Laszlo, c'est vraiment le mec que je pourrais écrire un livre sur lui. Mais en principe, non, il est bien mort. Hein. Bon, après, peut-être que c'est Dracula, j'en sais rien, il était de revenu à la vie, dans ce cas-là, je le jouerais. Mais non, en principe, il est mort. Hein. C'est vrai que le duché de Transylvanie, j'adore le jouer, moi, dans Crusader. J'ai jamais joué, moi. J'en ai pas fait énormément en même temps de partie. Hein. J'ai fait duché de Toulouse. Ouais, moi non plus. Hein, roi de France. J'ai fait... pratiquement fait que du duché de Transylvanie. Hein. J'ai fait le duché de Barcelone, où j'ai formé l'Empire d'Hispanie. C'était sympa, c'était une de mes premières parties, ça. J'ai fait le duc de Jorvik. J'ai fait le comte d'Athènes, où je suis devenu empereur de l'Empire byzantin. Et après, j'ai formé l'Empire romain. Et après, je sais plus trop ce que j'ai fait d'autre. Alors moi, un truc que je voudrais faire sur Crusader King 2, alors Pokis, tu dois connaître, je pense, vu que tu connais Arumba, c'est ce qu'on appelle le saut quantique. Vous connaissez la série Code Quantum? Avec Scott Bakula? Il avait fait il y a longtemps, ouais, mais j'avais surkiffé cette série. Le principe, c'est que tu lances Crusader King 2, tu cliques sur random, tu prends le premier mec que ça te donne, tu le joues. Si jamais tu perds la partie ou qu'il meurt, tu reprends la save, tu recliques sur random et tu joues un autre mec. Et tu joues comme ça en random. En sautant, en faisant un saut quantique comme dans Code Quantum, tu te retrouves dans les chaussures d'un nouveau personne de façon complètement aléatoire. Et Arumba l'avait fait deux fois. En série relais. En série relais, je sais pas si ça serait très intéressant en série relais. Je sais pas, ouais. Parce que. Ça reviendrait comme si chacun faisait vraiment des tout petits bouts de série, je sais pas. J'en sais rien si ça serait intéressant, mais je me rappelle à Arumba, le premier saut qu'il avait fait, il avait joué un des Romuva, vous savez, le mec en Lituanie, là. Il avait formé avec le même mec, parce qu'il était assez jeune, il avait formé le royaume de Lituanie et l'empire Wend, Wendish Empire, en quasiment avec tout l'empire. Puis après, il a sauté, il s'est retrouvé une espèce de petit comte copte. Au niveau de l'Ethiopie, tu vois. Je sais pas trop quoi, non. Ouais, il a réussi à tenir un épisode et demi avant de se faire assassiner par son seigneur qui était sunnite, tu vois. Puis après, il avait ressauté à un autre endroit complètement, et pendant ce temps, tu voyais son ancien empire de son premier saut qui était en train de se désagréger. Enfin, c'était vraiment génial parce que t'avais vraiment ce côté de. Ouais, c'était pas mal. De, voilà quoi. C'était vraiment super. Donc du coup, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Le jeu qui mène sa vie, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est sympa, ouais. Non, mais bon, le duc de Toulouse, il a pas mal de trucs. Ciao, Moloch. Alors, Aznazg dit, en série relais, faut définir un objectif commun à tous et essayer de le tenir entre chaque incarnation. Ça, je suis pas d'accord. Justement, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vu que chaque YouTuber a une façon de jouer différente... je veux dire, c'est historique presque, tu vois, chaque souverain avait des désirs différents peut-être pour sa nation, et des ambitions différentes, et du coup, une façon de gouverner qui était différente. Alors peut-être qu'il y en avait qui arrivaient à avoir des objectifs genre, j'achèverai les conquêtes de mon père, tu vois, mais je pense qu'historiquement, peut-être qu'il y en a eu aussi beaucoup qui ont essayé de se démarquer de ce qu'avaient fait leurs ancêtres en essayant de faire peut-être les choses différemment. Et du coup, je trouve que justement la série relais retranscrit assez bien ça, quoi, quelque part. C'est vrai. Puis on voit bien la différence. Hein. Tu regardes, moi, une partie que je fais par rapport à une partie que tu fais, par rapport à une partie que le Jireg va faire. Enfin, c'est pas du tout le même jeu, quoi. Sachez qu'à quelqu'un, par exemple, j'ai beaucoup travaillé les techs, quoi. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, c'est ça, c'est vrai, sur Crusader, plein de projets, quoi, tu vois, entre jouer avec les... C'est pour ça que j'ai presque envie de faire un peu un mélange, c'est-à-dire faire le Quantum Leap, le saut quantique, mais avec Elder Kings, par exemple, ou le mode Seigneur des Anneaux, tu vois, ça pourrait être marrant, tu vois, tu joues un fier, Dunedain de l'Arnor, et puis juste après, tu te retrouves avec un Seigneur Orc du Mordor, tu vois, ça pourrait être concept, quoi, tu vois. Un mode, il marche bien ou pas? Je sais pas trop, moi enfin, je l'ai testé il y a un an et demi, un truc comme ça, j'avais pas trop aimé à l'époque, mais je pense qu'il a beaucoup évolué et je l'ai pas retesté depuis, donc c'est pour ça que je le mets dans les choses
possible. Ça doit faire bizarre, enfin... Ouais, parce qu'en fait, il y avait tout un système de colonisation un peu... Ils avaient un peu eu du mal à l'implémenter, je sais pas trop comment ils s'en sont sortis d'ailleurs. C'est vrai, Elder Kings est vraiment bien. Il est vraiment bien développé, assez stable. J'étais vraiment très très étonné, j'avais fait une grosse partie où j'avais formé le royaume de Skyrim, de bord de ciel. Par contre, mode Game of Thrones, j'ai absolument pas accroché, moi je sais pas pourquoi... Est-ce que vous comptez faire une chaîne du genre Deglingus Funny Story? Alors moi, absolument pas. Je suis pas un fan d'histoire. Je suis pas un fan d'histoire, moi, donc non. Moi, j'y ai songé, mais bon, j'aurais tellement de choses à dire que ce serait soit ça, soit continuer comme je fais actuellement. Donc, soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Hein. Je pense. Puis même de puis après, de toute façon, je suis plus parti... Dans tes séries, déjà, tu parles beaucoup de loisirs. Oui, déjà, oui, de base. Ouais, puis je suis plus parti dans une optique de loisirs pour YouTube, quoi. Je suis pas... Ouais. Voilà, après, pourquoi pas un jour, peut-être, hein, je sais pas. Je veux dire, peut-être qu'après, les temps vont passer, puis je vais faire des vidéos de jeux, ça va me lasser un peu, puis je passerai peut-être à autre chose. Enfin, je sais pas, on sait pas. Hein. Célesta me signale qu'il y a aussi Witcher King. J'en ai entendu parler, c'est un mode Crusader King 2 sur l'univers de The Witcher. Vu que je suis sur The Witcher 3 en ce moment, ça peut être sympa, ouais. Faudra que je teste. Faudra que je teste, ouais, c'est une bonne idée. Avec les royaumes, tout ça. Quel est le premier jeu auquel vous avez joué? Ça, c'est une question intéressante. Le premier jeu auquel on a joué. Alors, moi, si je me souviens bien. Je crois que le premier jeu auquel j'ai joué... Attendez, hein, j'ai évité de dire de bêtises. C'était chez un ami de mon beau-père, quand j'avais 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Et ça s'appelait The Incredible Machine, ou The Infernal Machine, je sais plus. C'était un jeu où, en fait, t'avais... je sais pas si vous avez vu ce genre de truc dans des dessins animés ou dans des BD. C'est genre... Tu disposes de 6 trampolines, tu vois, en haut à droite, t'as une cage à hamster, en bas à gauche, t'as juste un ballon, et quand tu cliques, ça fait tomber le ballon, et ben tu dois te démerder avec tes 5 trampolines pour que le ballon arrive à toucher la cage à hamster qui est en haut, tu vois. Et tu peux pas juste mettre les clics en forme d'escalier, parce que ça arrive jamais en haut, tu vois, faut regarder un peu la vitesse avec laquelle le ballon arrive, du coup il remonte plus haut, enfin t'as... Et t'avais du coup des machines comme ça infernales, où t'as une... T'as une... comment ça s'appelle les trucs c'est pour... c'est une machine, non c'est une... Team, The Incredible c'est Machine, je crois. C'est une borne, non? Non, mais c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo à l'époque sur Windows. C'est un jeu vidéo, ouais. Ouais, c'est un jeu vidéo. Et en fait, t'avais... on va gagner un peu de piété et du prestige, ça va faire du bien. T'avais, comment ça s'appelle? Une loupe, tu vois, qui, avec de la lumière, faisait cramer une corde qui déclenchait un boulet de canon, qui venait faire tomber un truc, qui enchaînait. T'avais des enchaînements comme ça, c'était un jeu qui était basé là-dessus et c'était énorme. Et le deuxième jeu auquel j'avais joué, je crois que c'était le soir même en plus, chez la même personne, c'était Day of the Tentacle. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Vous connaissez? Pas du tout, hein. Vous connaissez pas Day of the Tentacle? C'est un vieux jeu complètement déjanté. Où en fait, il y a une tentacule, une espèce de tentacule qui utilise une machine à remonter le temps pour contrôler le monde. Et en fait, t'as trois personnages, t'en as un qui évolue au 18e siècle, t'en as un qui évolue dans le présent et un qui évolue au 21e siècle ou au 22e siècle, je sais plus. Et en fait, ils peuvent communiquer les uns avec les autres avec la machine à remonter le temps qui est en fait un chiotte, des toilettes publiques adaptées. Tu vois, et en fait, faut jeter un truc dans la cuvette et tirer la chasse pour que ça envoie dans le temps. Et genre, à un moment donné, tu dois utiliser justement un hamster, t'en as besoin dans le futur. Et il est disponible uniquement dans le présent. Et en fait, quand tu veux envoyer le hamster dans la machine, t'as le mec qui dit non, je peux pas faire ça, ça serait beaucoup trop cruel. Tu vois, la pauvre bestiole, l'envoyer dans cette machine infernale, je ne peux pas. Et du coup, la solution, c'était de foutre la bestiole, le hamster, dans un congélateur pour le congeler. Du coup, le retrouver dans le futur, dans le même congélateur. Pour le foutre ensuite au micro-ondes, pour le dégeler. Tu vois, la pauvre bestiole, que tu voulais pas la mettre dans le truc. Mais après, vu qu'elle était trempée, elle voulait pas courir, il fallait la réchauffer, la sécher avec je sais plus quoi, et après tu pouvais l'utiliser pour débloquer ton truc, tu vois. C'était un point and click, mais complètement délirant, un truc, mais débile. Je vois, ouais. C'était énorme. Bah moi, ça remonte au premier PC familial, c'était un Windows 2000 ou je sais plus quoi, et t'avais des CD offerts. Je ne saurais pas dire lequel j'ai touché en premier, mais t'avais trois CD particuliers. T'avais Pharaon,
T'avais Adibou et t'avais Toy Story 2. Mmh. Et ça, c'est mes trois Adibou. Premiers vraiment auxquels j'ai fait. C'était les CD qui étaient livrés à l'époque avec. Et c'est vraiment mes trois premiers que j'ai fait, quoi. Les trois premiers jeux, même, ouais. Et peut-être aussi avant autre chose, mais je suis pas du tout sûr. Mmh. Et c'est pas vraiment un jeu vidéo. Enfin, si, oui et non. C'est une espèce de mini borne faite. Enfin, c'était à mon père, c'est fait par Bandai électronique. Mmh. L'espèce de petite borne, ça s'appelle U-Boat. FL U-Boat. Enfin, vous tapez ça sur internet, vous allez trouver. Ouais. C'est une espèce de mini borne où on peut jouer à deux ou tout seul, en fait, contre un petit ordinateur. Et c'est un jeu de bataille navale. Mmh. Donc, d'un côté, tu diriges le sous-marin, tu dois couler le croiseur. Et de l'autre, tu diriges le croiseur et tu dois couler le sous-marin. D'accord. Et c'était sur une petite borne comme ça, attends, je vais noter comment ça s'appelle. C'est FLU-Boat. Voilà. C'est un truc de Bandai électronique, qui faisait des petites bornes à l'époque. Et toi les Girac? De quoi? Premier jeu. C'est un jeu sur Sega Mega Drive. Ouais. Ah, c'était la Légende de Thor. Oh, là. La Légende de Thor. Il est excellent. Je connais pas. Ah ouais, il est excellent. C'est un des plus cultes sur la Mega Drive. Ça doit être le meilleur RPG. J'ai jamais eu de Mega Drive. Je n'ai point connu ça. Et enfin, Pokiz, et après ça, on va arrêter. Ouais. Moi, mon premier jeu, c'était Mario Kart sur GameCube. Moi, j'ai eu des jeux très tard, mais genre, par rapport à mon âge, genre mes potes et tout, j'ai eu vraiment très tard. J'ai pas eu de console, genre, avant la GameCube. Moi, ma GameCube, c'est vraiment la première console, et c'était Mario Kart. Putain, et moi, genre, les mecs, j'ai passé genre des centaines d'heures, c'était tellement marrant. J'ai eu une NES, quoi. Ma première console, c'était NES. Oui. Quand j'étais petit. Tu es vieux aussi. Tu es vieux, tu es âgé. J'avais Duck Hunt avec le pistolet et tout, quoi. Ah ouais, non, c'est même pas vrai. La première console que j'ai eue, c'était une Master System 2 avec Alex Kidd. Ah, c'est bien. Alex Kidd. Vous savez, les manettes pas du tout ergonomiques de l'époque. Putain, mais PlayStation, ils avaient fait une révolution quand ils étaient arrivés avec leurs trucs, quoi. C'était les manettes, elles te faisaient mal presque. C'était l'horreur. Et puis je me rappelle mon père, j'en avais eu des cauchemars. Mon père, il s'était acheté un PC, mais à l'époque c'était c'était des Pentium 1 ou 2, quoi, un truc comme ça. Et il avait eu le premier lecteur CD à l'époque, tu vois, un des premiers lecteurs CD. Et il avait acheté Doom, le tout premier Doom, on venait de sortir, ouais. Tu vois. Et j'avais vu jouer à Doom, j'en ai fait des cauchemars, mais pendant des semaines, quoi. J'ai jamais pu jouer à ce jeu. Mais quand t'es gamin, tu sais pas comment tu penses des fois, quoi. Ouais, quand t'es gamin, tu vois des trucs comme ça, mais tu sais pas du tout, quoi. C'est toujours bizarre, quoi. Ah, c'était quelque chose, quoi, putain. Souvenir, quoi. Bon, allez, je vous propose qu'on s'arrête là. J'en ai tous les gens qui sont dans la partie, ils sont complètement explosés. Nous aussi, d'ailleurs. Il faut faire dodo, mais beaucoup clair. De boulot demain, beaucoup de vidéos à tourner, donc voilà. Donc du coup, merci franchement à tous les trois d'être restés aussi tard. Merci à tous ceux qui sont restés sur le live, il y a encore 36 personnes quand même. Donc vraiment, voilà. Moi perso, j'ai passé une super soirée, je suis vraiment très content. Donc c'était sympa. On remettra ça à nouveau. Oui, bien sûr. Donc je pense l'organiser le prochain. Peut-être fin septembre, début octobre. J'essaye à peu près une fois par mois, une fois tous les mois et demi maximum. Ah oui, l'Odyssée d'Ab. Ouais, c'est peut-être un concept sympa. Pour la PlayStation 1, ça m'avait foutu les jetons quand j'étais gamin. Sauvegarde la partie quand même. Je vais l'appeler, je vais lui donner le nom qu'il faut. Donc super chaud. Pour pas qu'on oublie. Mais c'est pas dit qu'on pourra peut-être y rejouer, parce qu'il y aura peut-être sûrement de nouvelles expansions. Il faudra revenir dans l'ancienne version. On reviendra dans l'ancienne version au pire. Voilà, j'ai quitté le jeu. Donc merci à tous de nous avoir suivis pour cette soirée. On vous souhaite du coup une excellente nuit, faites de beaux rêves.
Et ben, on vous dit à très très bientôt sur nos chaînes respectives ou à très bientôt tous ensemble pour le prochain live. Et voilà. À bientôt. Salut à tous. Ciao. À bientôt.